Et salut tout le monde, on espère que bonsoir. Vous allez bien, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde qu'on a pu voir, Lucien Littéraire, Timothy, Camille, Viking, Reda, on espère que vous entendez bien déjà, normalement oui, on a fait les tests avant, ça devrait marcher, Voilà, donc on attend vos petites réponses pour être bien sûr que ça marche bien. Oui, je pense que ça marche bien, vu qu'il y a des coucous, des bonsoir, des youhou. Salut, salut Lucas, salut Daniel, salut Aruem, salut Asa, Laïs, Léa, Captain Obvious, Kerrigan, Audrey, Gabriel, Citoyen Prévoyant, c'est bien, Citoyen Prévoyant. Beaucoup. Esprit, Sayan 57, Blandine Lulabaye, La Plume à Papote, Mélissande, ça va trop vite, ça y est, j'arrive, salut, bien sûr. Salut Blanca Maria, salut. Vous êtes déjà combien là? 57, ah oui, d'accord. Vous êtes déjà presque 200, tout va bien. Eh bien, merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un qui aimerait ton t-shirt. Ah, c'était à lui au départ, et puis en fait, il était un peu... Donc, non, c'est à moi. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est super cool de vous voir, entre guillemets, hein, puisque, voilà, mais d'être avec vous, en tout cas, ce soir, pour partager ce moment à 2 mois de la sortie du livre de Marie-Madeleine, récemment. Voilà, ça y est, j'ai chaud. Tu vois, c'est direct. Merci à tous d'être présents. Donc, ouais, voilà, c'est super gentil. Dans 2 mois sort le livre de Marie-Madeleine. J'imagine que la plupart des gens qui sont ici ce soir sont des personnes qui ont vu notre vidéo d'annonce sur le livre. Pour ceux pour qui ce serait pas le cas, je fais un tout petit review. Donc, ça fait un petit moment maintenant que je travaille sur une trilogie. J'ai eu la chance incroyable de trouver un éditeur pour éditer cette trilogie. Et le premier tome sort le 27 août prochain. Voilà, 27 août 2020. C'est ça. Donc, voilà. Et ce soir, on va pouvoir en parler un peu plus parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous m'avez déjà posé plein de questions dessus. Et jusque-là, bah, je ne pouvais pas dire grand-chose. Et surtout, depuis que j'avais signé avec l'éditeur, c'est-à-dire février, j'étais un peu tenue, si vous voulez, au secret, de rien révéler pour le moment, tout ça. Donc là, ça y est, on peut parler de quelques trucs. Alors, je vais faire attention à pas spoiler l'histoire. Donc, j'ai pas envie de vous gâcher le cheminement, mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui ont pu voir sur les réseaux sociaux, on vous avait demandé de poser quelques questions. Avant de commencer les questions avec le live et de parler de plein d'autres choses, et surtout du livre qui arrive dans 2 mois, on va passer aux questions donc, qui ont été posées avec le FAQ L3H. Voilà. J'en ai vu que quelques-unes. Voilà, c'est moi qui ai sélectionné. J'ai pas vu grand-chose. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui sont là et qui auraient posé des questions. Il y avait des questions qui n'avaient pas de rapport avec le livre. Ce qu'on vous avait demandé sur les réseaux, c'était de poser des questions qui avaient un rapport avec le livre. Et justement, pendant le live, vous poserez toutes les questions que vous voudrez. Ça, on a le temps de discuter, pas de soucis. On va prendre le temps qu'on veut ce soir. On est bien tranquille. On est bien, on a du... Donc voilà, elle va découvrir les questions en même temps que vous. Quasiment, à peu près, on va dire. On a dû en voir deux. Voilà. voilà, déjà des gens qu'on va pouvoir bannir. Au revoir. Oh, une tête de pine. Au revoir, tête de pine. Allez, dégage-moi ça. Voilà, pas d'agression ce soir. On reste cool entre nous. Merci, c'est gentil. Et quand il y a des gens comme ça, répondez même pas. Hein, laissez-nous les virer. Voilà. Vous prenez pas la tête. Voilà, voilà. Donc, bah, on va commencer tout de suite. Vas-y. J'attends de voir. Je suis un peu inquiète des questions. J'espère que je vais pouvoir répondre parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai pas envie de vous révéler. Tout simplement parce que ce serait un peu gâcher le truc, quoi. Voilà. Alors, je t'écoute. Vraiment, je vois dans les lives, il y a des gens qui commencent à poser des questions. On répondra à tout ça tout à l'heure. Commencez pas à mettre toutes les questions, gardez-les de côté, surtout que vous avez pu voir, il y a un petit timer, vous pouvez pas poser des questions à l'affilée. Vous avez 1 minute entre chaque question, donc gardez tout ça pour après les premières questions. Pour l'instant, priorité à ceux qui ont lancé le hashtag FAQ L3H. C'est parti. Donc, félicitations de Katia Agnès. Merci, j'ai hâte de lire ça. Va-t-il sortir en e-book? Si oui, quand et sur quelle plateforme? Ou en format poche un jour? Alors, normalement, il devrait sortir, je pense, en e-book, sans doute sur Amazon, de ce que je sais, parce que Nisha, etc., fait pas mal de Kindle. Par contre, je vais me permettre, parce que c'est l'avantage du live et de pouvoir être en direct avec vous, sachez que quand vous achetez un e-book, vous savez, un auteur touche un pourcentage sur le prix du livre. Et le pourcentage d'un e-book est très inférieur
genre vraiment très très inférieur, je vais pas révéler les termes du contrat, mais le pourcentage d'un e-book est toujours très très inférieur à ce que va toucher l'auteur sur un manuscrit tout papier, tout simplement. Donc le e-book, c'est bien, mais pensez aussi au fait qu'aujourd'hui le monde du livre est un peu en crise et que ça n'aide pas forcément. Il y en a qui vont dire « oui, il n'y a pas de papier, c'est plus écologique », c'est faux. Parce que une tablette de lecture, une liseuse en fait, est excessivement polluante par rapport à un livre qui est recyclable. Voilà. Pour le livre audio, j'en sais rien du tout. Je crois pas que Nisha l'ait déjà fait. Donc, à mon avis, ça viendra peut-être avec le temps. Peut-être, mais je pense pas comme ça dans l'immédiat. Et ensuite, ce serait un peu compliqué parce que y a beaucoup de personnages et j'aime bien laisser la place à votre imagination pour leur voix, leur intonation, leur bazar, etc. Voilà. Après, peut-être qu'un jour, il y aura un livre audio, mais ne serait-ce que pour les non-voyants. Oui, ça, par contre, ouais, ça, ce serait super cool de pouvoir faire ça pour les non-voyants, ou même, bon, c'est très compliqué en France aujourd'hui, c'est pas du tout accessible là-dessus. En braille, par exemple, j'aimerais beaucoup. Oui, bon, alors là, mais si on arrive à faire éditer ça en braille, on n'est pas sorti du sable. Tout ça, c'est pas dans les termes du contrat pour l'instant. En tout cas, c'est pas pour l'instant dans les termes de mon contrat. Voilà. Sauf le format Kindle, éventuellement. Oui, ça, oui, il me semble aussi. Ok. Question suivante. Vous comptez faire des salons du livre en Picardie ou ailleurs, en plus des conventions, par Comatose Girl. Alors, je sais pas du tout. Je sais que l'éditeur fait de temps en temps quelques conventions. Par exemple, la Angers Geek Festival qui a été décalée, auquel on sera bien présent, mais qui est décalée en octobre. Je sais qu'ils avaient un stand. Du coup, moi, le livre sera sorti. Je sais pas du tout si, du coup, ils voudront que je sois aussi sur leur stand de temps en temps, si je serai sur deux stands à la fois. Ça, pour l'instant, j'ai pas les infos, mais c'est très possible, c'est très probable, vu que ça arrive que Nisha le fasse, et que en plus Nisha dépend des éditions L'Opportun, qui possède aussi L'Étudiant, si vous voulez. Donc, c'est plutôt des habitués des salons, il me semble. Voilà. Voilà, ok. Bah, faut pas vraiment faire plus simple. Voilà, c'est pas que j'ai apprendu. C'est pas. Ok, autre question, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans les œuvres que tu as écrites et quels sont ceux qui t'ont marqué plus que d'autres? Et encore une fois, félicitations, c'est un exploit d'en avoir écrit un, mais trois, encore mieux. Oh là, donc la question est dense. La question, c'est... Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ouais, voilà ça. Alors, ce qui m'a inspiré... Là, ça va être compliqué de répondre. Je peux essayer, tout simplement, parce que... J'ai lu beaucoup de choses différentes, j'ai sans doute été influencée un petit peu à gauche à droite par plein de choses, mais ça reste très inconscient finalement, sans doute un peu l'antrique, oui, qui m'a beaucoup inspirée. Après les œuvres qui m'ont marqué plus que les autres, il y en a une, j'ai un souci avec ça, je crois que c'est une obsession, c'est Cyrano de Bergerac, oui, des nombreux temps. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de livre que j'aime plus que celui-là, dès que j'ai un coup de blues, je lis cette pièce qui est juste un des plus grands trésors pour moi de la littérature française. Et dès que je vois un exemplaire que je n'ai pas, peu importe que ce soit un livre pourri, un vieux folio, un machin, il faut que j'achète. Voilà. Et mon papa et ma maman m'ont fait un super beau cadeau, d'ailleurs, là, récemment. Ils ont réussi à dégoter sur je ne sais pas quel site une très très vieille édition qui date de 2 ou 4 ans, on ne sait pas trop, juste après la première. Donc voilà, donc à la limite, s'il y a un truc que vous n'avez pas lu, qu'il faut lire, il faut le lire à voix haute, c'est Cyrano de Bergerac. Après, dire ce qui m'a inspiré, j'en sais rien du tout, les petits chats. Je crois que ça a pulsé comme ça, une espèce de vomi de mots. Pas très joli, mais je ne vois pas comment le dire autrement. Mais oui, j'ai sans doute été influencée par plein de choses, comme tout le monde. Voilà. Ok, c'est parti pour la question suivante. Est-ce qu'il y aura un format de livre audio ou numérique du livre? Bah du coup, on a déjà répondu. J'ai pris toutes les captures, hein, mais c'est déjà répondu. Donc la réponse est oui pour le numérique, mais pour le livre audio, on ne sait pas encore. Voilà. Question suivante. Cornu, j'imagine que ce n'est pas toujours simple à porter, en particulier à l'école. Sont-ils nombreux les gens ayant subi un maléfice de n'importe quelle autre nature après avoir fait une sale blague bien lourde sur le nom de Cornu? Je vais juste recontextualiser, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'annonce du livre de Marie-Madeleine, on a annoncé, parce qu'elle sort son livre sous son vrai nom, donc Natacha Cornu. Voilà, donc je te laisse répondre à cette question. Alors, non, mon nom n'a jamais été compliqué à porter, je ne l'ai jamais vécu comme un truc de moquerie. Mon prénom était un petit peu plus compliqué par moment. D'ailleurs, merci à Mixen d'en avoir rajouté une couche dernièrement.
Mais non, le nom de famille n'a jamais posé problème. À la limite, à l'école, ce qui parfois a pu être compliqué, c'est que j'ai été dans le lycée de mon papa, qui est professeur. Mais en fait, j'avais retourné la situation. Et du coup, le matin, c'est moi, mon pauvre papou, je suis encore désolée, pardon papa. Je lui collais la honte en arrivant. Il débarquait dans le hall avec les copiers. Moi, je dis papa. Du coup, c'est peut-être lui qui avait plus la honte d'avoir sa fille dans son lycée. Voilà. Tu te rends compte que là, toutes les personnes qui nous suivent, qui sont potentiellement encore au collège ou au lycée, qui ont un prof qui s'appelle Cornu, ils vont être harcelés de questions pour savoir si t'es la fille de ce monsieur ou madame Cornu. Ouais, bah ça changera du quotidien, c'est pas très grave. Et tiens, ça me fait penser, les gens ont demandé si c'était ton nom. J'ai eu ça en privé. Bah, vas-y, tu réponds. Réponds. Bah ouais, on va répondre, c'est rigolo. Allez, pour l'anecdote, Cornu donc est le nom de naissance de Natacha, mais maintenant c'est également le mien, puisque en fait, contrairement à ce qui se fait d'habitude, c'est moi qui ai pris le nom de famille de madame. Donc en plus, j'avais vu une question sur est-ce qu'on était frère et sœur ou mariés. Voilà, donc nous sommes mariés. Les deux. Et c'est moi qui ai pris son nom, voilà. Ouais, ça change un petit peu. On a eu cette chance parce qu'il y a eu la loi Taubira qui est passée. Ouais, bah, et en fait, avant, l'homme ne pouvait pas prendre le nom de la femme. Et en fait, depuis la loi Taubira, ça a été possible. Voilà. Donc je sais d'après la mairie à l'époque, quand j'avais fait changer mes papiers, que j'étais dans les 10 premiers en France, dans un couple hétérosexuel, à avoir changé de nom en prenant celui de la femme. Voilà. Je sais pas exactement combien, j'avais pas eu le droit d'avoir les chiffres, mais je sais que je suis dans les 10 premiers. Ah, mais ils nous ont surtout regardé de travers quand t'as dit que c'est toi qui allais prendre mon nom. Oui, aussi, ouais. Voilà. Après, j'ai eu le droit à des regards de travers quand j'avais été à la poste et tout ça, mais bon, ce sont d'autres histoires, nous pourrons en parler plus tard dans la soirée. Voilà. Allez. Question suivante. Ah là là. Alors, Nina te demande, donc elle te félicite déjà, elle a hâte de te lire, et du coup, elle a compris l'intérêt du pseudo, ben, en plus c'est bien, c'est raccord, mais quelle est l'origine de Marie-Madeleine? Et en plus je crois que Nina, je l'ai vu passer dans le live. Coucou Nina, si tu es là. Alors l'origine du pseudo, tout simplement, c'est une référence au personnage de Marie-Madeleine, qui est souvent très brouillon quand les gens en parlent. On entend dire que c'était une prostituée, on entend dire que c'était une nana qui suivait Jésus, on entendait dire plein de choses. Et il y a surtout un gros amalgame qui est fait entre Marie-Madeleine et Marie de Magdala, qui sont deux personnages différents. Et vu que l'idée de la chaîne, c'était de rétablir un petit peu les choses, pas les blablabla, les on-dit et machin, et de revenir à l'origine du truc, ben, je me suis dit que c'était complètement de circonstances. Ça m'a bien fait marrer, et puis c'est plutôt un personnage que je trouve plutôt fun et plutôt sympathique dans la Bible, en fait. Voilà. C'est inspirant, finalement. C'est parti, question suivante de Papaye Prod. Je vous ai déjà laissé un message sur Twitter, mais je réitère mon invitation. Je serais ravi de pouvoir te recevoir en dédicace en librairie. Eh ben écoute, Papaye Prod, c'est ça? Papaye Prod? Papaye Prod. Yeah. Papaye Prod. Papaye Prod, bah écoute, moi je serais super ravie en fait, c'est déjà un truc auquel j'avais pensé, ce genre de truc, même les petites médiathèques et machin, en fait moi ça me ferait plaisir de pouvoir discuter de tout ça, de pouvoir échanger avec plein de gens, ce serait un grand, grand, grand plaisir. Ce que je conseille, parce que j'ai pas la main là-dessus pour l'instant, je sais pas trop comment ça va se passer, c'est contacter directement Nisha, etc. Ils sont super joignables. Par leur site, il y a une fiche contact. La fiche contact est super joignable. Je crois que par Instagram, ils sont pas trop mal joignables aussi. Et de voir avec eux, parce que c'est vraiment eux, en fait, qui vont complètement gérer ça. Donc, voilà. Je vois pas quoi dire d'autre. Mais avec plaisir. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. Oui, on sait pas encore si tu vas pouvoir... En fait, on sait pas encore si... Si tu vas être convié par ton éditeur à aller dans les salons et justement dans les librairies ou autres, ou s'il va falloir que tu gères ça toute seule en fait. Ouais. Voilà. C'est pas du tout. Donc, c'est parti, question suivante. Si tu... En plusieurs fois, donc, je vais te le lire. Il y en a beaucoup ? Il y en a pas mal, ouais. La fille au livre qui te dit qu'elle ira acheter dès sa sortie. Voilà, donc directement, pas de commande. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a acheté en librairie, c'est bien, ça réduit aussi finalement. Qu'il y en a. Ouais, je comprends. Je viendrai le faire signer en convention. Sophie Anourat, j'adore la présentation. Et les questions sont les suivantes. Comment as-tu géré tes différents personnages? As-tu fait des fiches pour ne rien oublier sur eux? Oui. Est-ce que j'ai mis mon bordel? Je te l'ai ramené parce que j'avais oublié la question. ouais, alors en fait, j'ai fonctionné avec ça. Ce petit carnet, ça a été mon GPS, mon sauf-conduit. Je vais vous passer très vite pour pas que vous puissiez lire quoi que ce soit. On voit rien parce qu'il y a le chat. Là, crotte, cacasse, chronique. Plusieurs mois. Voilà. Donc, en fait, ce petit bouquin, il y a tout.
J'ai quasiment tout, sauf ma timeline, parce que c'était trop compliqué. Et en fait, donc là, vous avez toutes mes fiches personnages, les recherches, les armes, parce que oui, ça va castagner un peu. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, j'ai pu écrire des petits détails sur ce qui leur était arrivé pour pas oublier, parce qu'en fait, ce que j'ai surtout voulu travailler, vous verrez, c'est, ça vous le verrez sur les trois tomes, c'est la psychologie des personnages. J'y tenais beaucoup, je voulais qu'ils aient tous un background très fort, en tout cas très détaillé, pour que leur réaction soit logique, soit cohérente dans ce monde-là, en tout cas. Voilà. Parfait. Question suivante, même si je pense que tu pourras pas y répondre. Quel est ton personnage préféré, même si ce sont tous tes enfants ? Non, je peux pas répondre, je les aime tous. Je les aime tous et je les déteste tous tout autant, vous verrez pourquoi. Mais dites-vous qu'il doit y avoir quasiment aucun personnage, ce qu'on appelle entre guillemets, héros. Voilà. Ils sont tous gris, ils sont tous en demi-teinte. Mais j'ai pas de chouchou, non, j'ai pas. J'ai pas, désolée, je les aime tous très très fort. Ensuite, as-tu peur de cette sortie ? Oui, 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 je me chie dessus, je me chie dessus. Et lui, tous les jours, il est là, il me fait « Il reste tant de jours avant la sortie, gna 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 gna. » Je dors pas bien, j'ai plus de sommeil, c'est horrible. D'ailleurs, ce matin, la première chose que je t'ai dit, c'est pas bonjour, c'est « Il reste 2 mois ». Oui, c'est pas gentil. Mais c'est la vérité, il reste 2 mois. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis roulée dans la couette, oui, et je voulais plus sortir du lit. C'est malin, tiens. Question suivante. Bien sûr, Flo, que tout le monde sait. Ah, il y a Flo qui est là. Oui, il y a Flo. Comment es-tu arrivé à trouver cet éditeur ? Est-ce le premier ou y en avait-il d'autres avant ? Voilà, ce sera la dernière question. Donc, elle te dit merci et bonne continuation. Merci à toi. Eh bien, écoutez, il faut envoyer les manuscrits, il faut oser, il faut tenter. Oui, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Bragelonne qui m'a envoyé chier comme une merde pour un souci de police d'écriture. Parce que je vous explique pas pourquoi, mais normalement, quand on envoie un manuscrit, tout simplement, il faut une police excessivement simple et basique, ce que j'ai fait. Mais j'avais la nécessité d'avoir une police plus complexe. Et Bragelonne, ils ont dit « ça se fait pas, gnagnagnagnagnagna ». Donc ils ont été un petit peu frileux, simultanément, ils ont sorti The Witcher, donc je pense qu'ils avaient surtout autre chose à foutre. Oui, ils avaient d'autres projets. Voilà, ils avaient sûrement autre chose à faire, les petits loulous. Tant pis, ou tant mieux, parce que chez Nisha, j'ai été excessivement bien reçue, l'équipe est absolument super sympa. Ils sont excessivement sérieux sur les relectures, ils sont hyper attentifs aux coquilles, ils sont très à l'écoute de leur auteur. Mais en fait, il n'y a pas 40 000 solutions, il faut envoyer, il faut oser. Et moi, ce qui était compliqué, c'est que pour les manuscrits imprimés, vous savez, il y a des règles à la con, je veux dire franchement, c'est des règles à la con. Il y a une police qu'il faut avoir, il y a une mise en page obligatoire, ça ne peut pas être recto verso, sauf que moi, je me retrouvais avec un manuscrit que la poste refusait de livrer autrement qu'en colis. Sauf que les maisons d'édition refusent les colis. Donc j'avais un manuscrit trop lourd et impossible à envoyer. Donc, voilà, un petit peu chiant. Voilà. Et ben c'était tout pour les questions jusque-là. Prochaine question, c'est parti. Brandon Hill qui te dit « Félicitations pour cette belle réalisation et en te souhaitant beaucoup de succès. Mais que signifie la couleur jaune qui est très présente sur la couverture et dans la bande-annonce ?» Alors, la couleur jaune, ça c'est une idée des graphistes de chez Nisha, tout simplement, elle est là. C'est une idée des graphistes de chez Nisha, tout simplement parce que il fallait un code couleur, faire une couverture c'est excessivement compliqué, surtout une couverture moderne, et mon bouquin est suffisamment flou, je pense, et complexe, en tout cas complexe, c'est pas de la grande littérature, hein. Je pense pas être capable de ça, mais c'est suffisamment tordu, voilà, je crois que c'est ça le bon mot. C'est suffisamment tordu pour que ce soit compliqué de faire une couverture. Donc, Nisha a suggéré un triple code couleur, donc vous verrez que les prochaines couvertures sont de couleurs différentes. Et c'est toi, ouais, quand on a travaillé sur le book trailer, a dit ça, voilà, serait bien. La bande-annonce, du coup, qu'on voulait faire, d'ailleurs, dont tu as eu l'idée, c'était une très bonne idée. On s'est lancé dans un trailer, un trailer pour ce livre, et du coup, on en a profité, enfin, j'en ai profité pour te proposer l'idée de mettre du jaune pour rappeler, en effet, cette couverture qui était, pour moi, très bien trouvée. Donc, on a gardé ce code couleur, et d'ailleurs, les autres bandes-annonces qui iront avec les autres livres seront également dans le même code couleur. Voilà. Voilà, donc la conclusion, c'est que ça présente juste pour les mecs qui ont créé la couverture. Oui, et puis dites-vous bien qu'une couverture, mine de rien, enfin vous nous suivez, ceux qui ont envie d'acheter le livre l'achèteront, ils sont au courant. Mais les gens qui sont pas au courant que ce livre existe, il faut qu'il accroche l'œil. Malheureusement, aujourd'hui en France,
Là-dessus, on est un peu à la bourre sur d'autres pays. Mais la couverture, c'est ce qui va accrocher l'œil de quelqu'un et personne n'ira chercher un livre si la couverture ne l'a pas accroché dans le rayon, ne l'a pas accroché sur Internet ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, je leur ai donné un petit peu carte blanche. Alors bien sûr, j'ai dit quand je n'aimais pas, quand j'aimais, quand je pensais que ça c'était un peu hors sujet, tout ça. Et ce qui a été fabuleux, c'est qu'ils ont été incroyablement à l'écoute de mes demandes, de mes avis, ce qui n'était pas obligatoire. Donc oui, bravo à eux. Je fais une petite pause. Donc, tous ceux qui sont en train de boire en même temps que moi, à la vôtre, hein, il y en a ici. Et j'ai vu que ton père nous souhaitait bonne santé aussi. Merci, donc, papou. Allez, c'est parti, question suivante. Donc, Okami Cheshire te demande si une séance de dédicace dans la ville olympique de Savoie, s'il y aura du coup une séance de dédicace dans la ville olympique de Savoie. J'aimerais bien. Oh là là, j'aimerais tellement. Alors oui, bon, bah, vous savez maintenant. Déjà, c'est laquelle? La ville olympique de Savoie. Celle d'Arville. Non, mais dis donc. Pas à moi. Oui, j'adorerais à tous les abonnés de Savoie, du coin. Vous savez à quel point je suis amoureuse de ce petit bout de France qui a plus que de la gueule et qui est toujours hyper accueillant. Et que on rêve de s'y installer, pas que moi, parce qu'il commence à choper un petit peu le virus, j'ai envie de dire. Mais du coup, s'il y a un truc à Albertville et que la maison d'édition dit « Ouais, ce serait bien, machin », je saute, je suis dans la voiture en 2 minutes. Hein. Tout est prêt, les valises, machin, je suis au taquet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait. Question suivante, qui va être plus ou moins en rapport. Bonjour, de la part de Ismaël Zvarta. Y a-t-il déjà des conventions de prévues ? Avec le bouquin, je ne sais pas. Nous, on a l'Angers Geek Festival en octobre. Ou en tout cas, par exemple, si vous avez le livre, même voilà. Si on est... Enfin, voilà. J'ai gardé cette question aussi pour ça, c'est qu'en effet, on a deux conventions qui sont prévues. Pour l'instant, on peut annoncer l'Angers Geek Festival parce que c'est sûr, on y sera en octobre. Il y en a une autre où on attend la confirmation que ça va bien se faire avec les conditions que vous connaissez actuellement. Mais voilà, vous pourrez toujours venir avec le livre. Enfin, tu le dédicaceras d'ailleurs, parce que c'est ton livre quand même. Mais pour l'instant, on ne sait pas si, justement, Nisha aura un stand là-bas, puisque, à la base, en avril, il devait être aussi au Angers Geek Festival, donc on va voir ce qui va se faire, mais voilà. On ne sait pas du tout, en fait. Et puis voilà, est-ce qu'ils voudront que je reste sur le stand de culture, si je suis là? Est-ce qu'ils voudront quand même que je fasse un passage au stand Nisha? Donc, on vous tiendra un petit peu au courant. S'il y a un stand Nisha, je signerai au stand Nisha. Je dois bien ça à la maison d'édition qui a quand même eu le courage de publier mon truc et je vous assure qu'il en fallait du courage pour publier ça. Et puis le reste, on se retrouvera et par contre, ce sera avec plaisir qu'on en parlera, qu'on papotera, qu'on... tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Ok, question suivante, c'est parti. C'est bientôt fini ? Oh non ! Oh la vache, beaucoup de questions ! Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps, on répondra sur le côté oui, aussi on à voit vos questions, j'en vois plein, puis il y a des questions super intéressantes. Alors, Blunisha... Jus de raisin nous accompagne au jus de raisin, je voulais le dire. Jus de raisin, j'ai le verre que tu m'as offert. Je bois dedans maintenant pendant les lives. Voilà, c'est une petite tradition. Donc, Blunisha te dit « Bonjour, pourquoi ne pas avoir eu recours au financement participatif ?» Ah, mais c'est intéressant. Bravo, en tout cas. C'est super intéressant comme question. Alors, j'ai eu cette discussion avec Sailar, d'ailleurs, qui lui a fait de l'auto-édition. Sailar Tichot, qui a fait de l'auto-édition, lui. Je crois qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que le financement participatif, c'est très bien. Ça marche pas toujours. Regardez, non, on galère avec l'ordi. Il n'est pas fini, évidemment. Ah oui, d'ailleurs, merci, je t'entends. Il y a des chances que l'ordi se coupe d'un coup. Oui, donc, voilà. C'est vrai. pour information, c'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait que je le dise. Il y a des chances que l'ordi se coupe d'un coup, donc ne vous inquiétez pas. Au pire, on reviendra en live directement sur le téléphone. On fera avec, mais pour l'instant, on est sur l'ordi et tout va bien. Voilà, je te laisse. Donc l'ordi est en train de mourir. Genre, vraiment, on l'a démonté. Donc, le financement participatif pour l'ordinateur, parce qu'au bout d'un moment, financièrement, on n'y arrive pas. Il traîne. Donc, j'allais pas en plus demander un financement participatif pour mes livres. Ensuite, on va quand même s'avouer que le fait de pouvoir passer par un éditeur, c'est pas une consécration, mais c'est un petit rêve. On va reconnaître qu'il y a un côté rêve. Et en plus, comme ça, j'ai rien demandé. Voilà. Et quand on peut, on ne demande pas. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Si on peut, on ne demande pas. La cam, par exemple, on n'a jamais demandé. Les micros, on n'a jamais demandé. Le décor, on s'est toujours dépatouillé. Pour tout. Et si on peut, on ne demande pas. Voilà. Et là, du coup, vous aurez juste, si vous voulez le lire, vous pourrez l'acheter. Il ne sera pas très cher, en plus. 16,90, c'est un beau pavé. Donc, et puis, c'est une jolie édition. Les éditions sont assez, assez belles. Elles ne sont pas toutes pitchounettes, toutes cracra. Et du coup, comme ça, on se débrouille. Et la troisième raison,
c'était aussi pour une question de temps, parce que le financement participatif, l'auto-édition, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et c'est du temps que j'ai pas pour lire. Et là, j'ai des professionnels qui repassent sur mon livre, qui me disent telle faute d'orthographe, tel problème, tel bidule, ça vous en pensez quoi, ça vous en pensez quoi. Alors ça va, ils ont pas voulu toucher à mon écriture, à mon style. Donc ça, c'est super. Mais c'est bien aussi d'avoir des personnes extérieures, parce que moi, j'ai le nez dedans depuis des années. Donc au bout d'un moment, à force d'être dedans, bah, on n'arrive plus à prendre du recul. Voilà. Parfait. Tu vois pas quoi faire de plus. Non, c'est bien. Pour tous ceux qui arrivent, bonsoir à tous. Il y a des questions qui débarquent, on le redit. Pour l'instant, on est sur les questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Et du coup, on avait prévenu qu'elles seraient prioritaires. Donc, on continue. Hop. Ah bah, il y a Benicia qui nous remercie pour la réponse. Eh ben, parfait. c'était une question qui s'est posée sur Instagram aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura on l'a déjà répondu aussi bah ouais, dispo en e-book ou en livre audio, du coup c'est déjà répondu. Désolé, hein, écoute, j'ai tout pris, hein, j'ai pas trié. Bon, au moins elle a eu sa réponse de toute façon, voilà. À travers la question des autres. Ah, c'est, on est sur du lourd. Qu'est-ce que c'est que ce pavé? Alors, oh là là. C'est quelqu'un qui a posé beaucoup beaucoup de questions, donc on va y aller tranquillement. Ok, je suis au taquet. Voilà, vas-y, je suis prêt. C'est K4Eyes qui nous suit sur YouTube, entre autres. Ah, c'est pas la jeune fille qui fait des photos superbes? Si, absolument, c'est elle. Oh là là, elle a trop de talent, beaucoup trop de talent. Donc c'est parti, je sais pas du tout si elle est là ce soir. Elle nous avait prévenu, je crois qu'elle le dit, qu'elle serait peut-être en live mais en secret. Donc c'est parti. C'est parti, excusez-moi, je cherchais les questions. Est-ce qu'il s'agit d'hémisphère, d'une sphère, d'une planète ou d'un cerveau? Allez, celle-là je vais y répondre. Il s'agit d'hémisphère de cerveau. Voilà, donc tout va bien. Voilà. Est-ce que les platistes du coup, peuvent rester en vie? Est-ce que du coup, l'étrangeté du titre, troisième hémisphère, sera en partie éclairée ou expliquée dans ce premier tome? Oui. Totalement. Intégralement. Pas de souci. Et assez rapidement d'ailleurs. L'énigme, c'est pas le titre. Les énigmes d'ailleurs. Les énigmes, oui, clairement. As-tu déjà un plan d'écriture sur plusieurs tomes ou est-ce que tu inventes l'histoire au fur et à mesure ou un peu des deux? C'est beaucoup plus chiant que ça en fait. Non, j'ai aucun plan d'écriture quand j'écris. Non, j'invente pas non plus au fur et à mesure. Le livre s'écrit, j'aime pas dire ça, c'est bizarre. Le livre s'écrit tout seul. C'est super bizarre, il peut témoigner pour moi. Le livre s'écrit tout seul. Je sais pas, quelque part, inconsciemment, je dois avoir l'intégralité de l'histoire dans ma tête sans m'en rendre compte. Et j'ai juste à raconter, donc parfois je me lève en plein milieu de la nuit. Le pauvre. Faut que j'aille écrire, j'ai la suite, je sais pas pourquoi. Et puis j'écris, je peux écrire 6 heures comme ça sans m'arrêter, et je suis très fatiguée après, mais. Non, donc j'ai pas vraiment de méthode là-dessus, de méthodologie, clairement. Voilà. Très bien. Le canaliseur, donc le titre de ton premier tome, le canaliseur est-il un être vivant ou un instrument ou un peu des deux? Je ne répondrai pas à cette question, parce que sinon c'est pas rigolo. Il faut quand même que vous découvriez quelques trucs. Si je vous vends tout maintenant, si je vous donne tout, comme ça je vous vends toutes les informations en mode cadeau, vous n'aurez pas d'intérêt en fait, et vous allez perdre la saveur du truc. C'est un peu comme les bandes-annonces de films actuellement. Où on voit tout dans la bande-annonce, en réalité. Est-ce que l'histoire se passe sur Terre ou est sur une autre planète? C'est sur Terre, voilà, ça je vais le dire, c'est sur Terre. Y a-t-il plusieurs dimensions ou espace-temps? Je ne peux pas répondre à cette question. Comment cet univers est né dans ton imagination? J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est vraiment le problème. C'est né un jour, c'était là, et ça prenait toute la place. Et ça prenait tellement de place qu'au départ, je jouais un peu de guitare. Un tout petit peu. Et j'écrivais 2-3 trucs. Et en fait, ça a pris tellement de place que je ne pouvais plus rien écrire. C'était terrifiant. Et quand j'ai eu la possibilité d'avoir du temps pour le faire... j'ai dit vas-y, je me lance, et là ça voulait plus s'arrêter, et c'était génial quoi. Voilà. Bah, du coup, ça va avec la prochaine question. As-tu commencé à écrire tout de suite? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'au début j'ai écrit un chapitre, et puis après je me suis dit oula, tranquille 2 secondes. Parce qu'en fait j'avais déjà commencé il y a très longtemps, et j'avais laissé tomber parce qu'il y avait trop d'arborescence dans ma tête, et je me suis dit que j'y arriverais jamais. Donc je me suis posé 2 minutes, et déjà j'ai fait. Une timeline, j'ai envie de dire une frise chronologique tout simplement, de ce qui s'est passé, pas pendant le livre, avant. Voilà. J'ai fait une frise chronologique de ce qui s'est fait avant le livre, jusqu'à moins 3500 avant Jésus-Christ. Elle était, jusqu'à aujourd'hui. Elle était affichée pendant un temps à l'endroit où on tourne dans la maison. Ouais, ouais prenait ouais. Un peu toute la place. Après j'ai mis tout ça un petit peu plus proprement et après je me suis lancée et il y en a beaucoup qui m'ont posé la question avant sur la page blanche, c'est un problème que j'ai pas.
Voilà, j'ai de la chance là-dessus. C'est un truc que je ne connais pas. Je me dis qu'au pire, si j'aime pas le début, ben, je pourrais toujours revenir en arrière et corriger. Rien n'est gravé dans la pierre, quoi. Écris-tu régulièrement avec une routine ou quand tu peux / veux ? Quand je peux. Parce que je veux plus ou moins tout le temps. Oui, c'est quand je peux. Voilà. Comment te sens-tu maintenant que ce tome est lancé vis-à-vis de ce que tu as écrit ? Facile ou pas d'accepter qu'un point final ait été posé sur ce tome ? Oula. Intéressante comme question. Oui, c'est une super question, punaise. Alors franchement, j'étais pas bien. Quand j'ai eu fini, j'étais pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis partie en très grosse déprime. Il y en a qui me suivent sur Instagram qui ont dû voir un petit peu que c'était pas la forme. Je voulais plus manger, je voulais plus sortir de la chambre, je voulais plus sortir de la maison. C'était bien, c'était pendant le confinement. Mais non, j'étais pas bien du tout. Il faut se dire que ça fait 3 ans que j'écris à balle. C'est-à-dire que c'est plus vieux que ça, cette histoire pour moi. Mais ça fait 3 ans que j'écris à fond. Et quand j'ai fini de mettre la dernière phrase, le dernier point, j'ai eu l'impression de me retrouver toute seule dans ma tête. Parce que tous ces personnages, je les entendais H24. Ça fait un peu schizo, mais je les entendais H24. Et ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient en moi. Et là, tout d'un coup, c'était grand silence. Et tout cet air partout, et ben, j'ai eu l'impression d'étouffer. Donc, j'ai déprimé un long moment. Et puis, j'ai peur aussi, parce que je les aime, ces personnages. Je ne sais pas si ce que j'ai écrit est bon, mais je sais que je l'ai fait avec toute mon âme. Et j'ai peur de les mettre entre vos mains. Parce que, comme il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, j'ai vu dans le chat, c'est mes enfants. Mais c'est ça. C'est ça, j'ai peur, j'ai envie de les partager avec vous, c'est un bonheur, et en même temps, ça me fait tellement peur. Donc voilà, je ne vois pas quoi dire d'autre. Attention, c'est pas fini. Ah ouais, grosse question. Non, il y en a plus beaucoup en vrai. Ah, d'accord. Il y a quelques messages pour toi que je te donnerai après. D'accord. Mais du coup, il y a une autre question, y a-t-il des œuvres qui ont inspiré ton histoire, mais on a déjà répondu. On a répondu avec. Voilà, et enfin, l'univers de ton livre a-t-il des parallèles avec certains sujets de la chaîne ? Oui, il y a plein de parallèles, parce qu'en fait, il y en a peut-être du coup quand j'ai égrené mon petit carnet qu'on a vu passer des trucs bizarres. Oui, il y a des parallèles, parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches historiques, d'architecture, des recherches de pas mal de trucs, et ce que je voulais aussi, c'était que ce que tu dis, les sujets en commun, sont pour la plupart du temps... dissimulé, caché. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir énormément de références à plein de choses, que ce soit historique, mythologique, légendaire, tout simplement. Mais je vais pas vous les poser en évidence. Peut-être qu'à un moment, vous passerez sur un truc et vous vous direz après, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et puis en fait, vous allez dire que, ah mais oui, en fait, c'est une réinterprétation de ça et ça, c'est... Voilà, j'ai tout voulu poser comme ça. Voilà. Voilà, il y a ton père qui se la raconte parce que lui, il a lu le livre et qu'il a trouvé ça très bien. Ah, mon papou. Et oui, j'ai eu des bêta-testeurs, j'avais pas le choix, donc je vais remercier les bêta-testeurs. Même des alpha-testeurs. Des alpha-testeurs, oui. Ouais. Donc, Alex qui a quand même été l'alpha-testeur numéro 1. Flo qui a été l'alpha-testeur victime, esclave. Est-ce qu'en plus, il devait corriger le bouquin de temps en temps, le pauvre. Je lui ai pris tellement de temps, merci. Et mon papa qui a dévoré le tome 2 et le tome 3 là, en un mois, il a tout bouffé. Et merci à eux, parce que ça m'a donné un petit peu de force. Il y a Flo qui te met des cœurs. Voilà, c'est bon. Il répond. Alors, c'est parti. Oui, il y en a encore. Qu'est-ce qui le démarque des autres livres de jeunesse fantasy SF ? C'est pas pour la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Déjà. Si vous avez des enfants, 12, 13 ans, c'est pas pour eux. On oublie les pitchous. On oublie vraiment, vraiment, vraiment les pitchous. C'est pour les grands, c'est violent. La violence va aller crescendo dans les romans. D'accord ? C'est-à-dire que le premier, c'est un peu violent. Ça va. Le deuxième, ça s'accentue. Le troisième, c'est excessif. Non, les livres sont excessivement violents. Que ce soit psychologiquement. Psychologiquement. Que ce soit psychologiquement ou que ce soit physiquement, tout simplement, c'est très violent. Y a du cul, on va dire franchement, il y a du cul, il y a des scènes pas très très belles. Pas pour les enfants. Après, si vous les avez laissés regarder Game of Thrones et jouer à GTA, moi je peux plus rien pour vous. Mais sur la base, pas pour les enfants, pas pour les ados, ou alors ce qu'on appelle ados, pré-adultes, j'ai envie de dire, lycéens, terminales, tout ça, ça passe, parce que clairement...
faut arrêter. Là, il n'y a pas de problème. Mais les petits choux au collège, non. Franchement, je le déconseille. Voilà. Du cul. Il y a un petit peu de cul. Voilà. Allez, c'est parti. Question suivante. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu des personnages principaux ? Non. Non. Voilà. Non, je vais juste vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez incarner quelque part les personnages principaux dans le sens où vous allez découvrir les choses à travers leurs yeux. Et si je vous donne qui ils sont, vous risquez de saisir pas mal de choses. Donc je préfère ça, que vous le découvriez au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il n'y a pas un seul personnage principal. Voilà, j'ai pas de grand héros, contrairement à ce qu'on peut penser sur les premiers chapitres. Vous verrez rapidement qu'il n'y a pas un héros. Tu fais du mini-spoil. Ça va, en effet. Ah, ils sont quand même venus pour le lait, je vais quand même leur donner des, ah bah oui, des cartes, quoi, les pauvres chats. Les un peu plus de 300 exclusifs qui sont là ce soir. Ok, question suivante. Les prochains tomes sortiront à quel intervalle ? En plus, je sais pas si c'est la même personne qui a posé cette question et je l'ai vu passer dans le live, donc c'est plutôt cool. Alors, c'est l'éditeur qui a décidé, d'accord ? Je le pose tout de suite. Je n'ai pas eu de choix sur la diffusion. On m'a proposé, bien sûr, mais j'ai dit oui parce qu'ils connaissent ce métier-là, c'est leur. Les diffuseurs, c'est leur boulot, je leur fais confiance. Il a mis en avant le fait qu'aujourd'hui, on est habitué, vous savez, à des séries complètes, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Netflix, où on a toute la saison d'un coup. Bah là, pour le bouquin, on va faire la même chose. C'est-à-dire que je peux vous dire déjà que tout sera disponible avant Noël. Oui, avant fin 2020. Avant fin 2020. Très clairement. Même avant Nouvel An. Oui, même avant Nouvel An. Même avant Noël, c'est pour ça que j'ai pas dit 31. Ah, ouais, t'as raison. Tout sera déjà disponible avant Noël. Donc, je dis pas que ce sera la meilleure ambiance pour les fêtes. Non plus. Mais, voilà. Tout sera dispo à ce moment-là. Je vais pas vous donner les dates exactes parce que... Bah, on a le premier, on peut déjà... Le premier, c'est 27 août 2020. Ça, c'est facile. Je peux vous dire que le 2 est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas loin. Ouais, et puis de toute façon, on ne peut pas forcément annoncer les dates tout de suite, parce que même le 1, finalement, a changé de date. Oui, il a changé de date. De réflexion. Donc, si on vous donne des dates tout de suite, ça risque aussi de changer, on ne sait pas. Donc, dès que la date est confirmée, bien sûr, on vous le passe, mais voilà. Voilà, et du coup, oui, parce qu'en plus... Si, c'est sûr que si on se tape une deuxième vague, ce sera même pas avant 2020. Commence pas à porter la chkoumoune, toi. Bon, allez, question suivante. Hop, on est bientôt à la fin, c'est l'avant-dernière. Est-ce que tu t'es inspiré d'autres histoires pour écrire ? Si oui, lesquelles ? C'est pas ce qui est écrit, là. Ah, bah non, mince alors. Bah, c'est pas la bonne question, désolé. Je l'ai mal... T'as fait du caca, bon, c'est pas grave. C'est quoi la question, répète ? Alors, la question c'est... Est-ce que tu t'es inspiré d'autres histoires pour écrire ? Si oui, lesquelles ? Non. Non, je m'inspire pas d'autres histoires parce que c'est pas une fanfiction. Tout étant, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, original. Je vais appeler ça une histoire originale. Oui. Bien sûr, j'ai dû être influencée par ce qu'on lit, parce qu'on est toujours un peu influencé par ce qu'on lit, par ce qu'on voit, par ce qu'on regarde, par ce qu'on fait. Mais je peux pas vous donner. Je sais pas si ça ressemble à quelque chose que t'as pu lire toi. Non. Il y a des. Et forcément des... Eh oui, forcément qu'il y a des influences. Tu penses à d'autres trucs, mais on est loin de tout ce qu'on a pu voir ou lire. En tout cas, moi, après, j'ai pas lu non plus tout ce qu'il y a de dispo, mais voilà. Lui, il fait des bêtises, là. De quoi ? Je sais pas, mais c'est bizarre. Question suivante ! C'est la dernière, c'est ça ? C'est la dernière, ouais. Comme ça, on de Alexis Das Dores, le ou les personnages de tes romans t'ont-ils été inspirés par des personnes réelles ? Oui, oui et non. Oui, je me suis inspirée des personnalités de gens que je connais pour créer mes personnages. Par contre, c'est-à-dire que j'ai remonté, si vous voulez, le fil de leur construction de psyché. Je les ai imaginés avec leur personnalité dans le monde. Dans lequel ils évoluent dans le bouquin, et qu'est-ce qu'ils seraient devenus, comment ils auraient réagi, qu'est-ce qu'ils auraient été, quel genre de personnes ils seraient devenus. Et en fait, je les ai transférés dans ce monde-là pour voir ce qu'ils auraient été. À partir de là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé beaucoup de me fixer sur des gens que je connais. Évidemment, tu vas en soirée, tu bois un coup, t'écoutes la personne, et d'un coup, ça travaille derrière, tu t'en rends pas compte, et quand tu rentres, il est 4h du matin, t'as un coup dans le nez, mais il faut que t'écris 10 pages. Voilà. C'était la dernière question, en tout cas sur les réseaux sociaux, donc merci à toutes celles et ceux qui ont posé ces questions. On va pouvoir commencer à être en mode
beaucoup plus compliqué parce que vous êtes plus de 300 et que j'ai vu plein de questions passer, 366 actuellement. Donc doucement sur la question, les petits chats. Voilà, on va prendre vos questions, que ce soit sur le livre ou pas. C'est sûr que ce soir, on aimerait un petit peu se focaliser sur le livre parce qu'il sort dans 2 mois, je le rappelle. Mais à côté de ça, on va prendre toutes vos questions. Donc, slow down, s'il vous plaît. Il y avait plein de questions intéressantes, mais si vous allez trop vite, nous, on pourra pas tout lire. Allez-y, on attend. C'est quoi le vrai nom de monsieur? Mon nom de naissance, désolé, mais du coup, je le donnerai pas. Ah, le nom de monsieur, c'est... Voilà. Mais c'est ton vrai nom maintenant, juste ta carte d'identité. Oui, mais c'est mon nom de naissance, du coup. Combien de temps le tome 1 a pris pour être écrit? Dans Culture, on verra un jour des vidéos sur des faits étranges comme Elisa. Alors, le tome 1. Le tome 1 m'a pris à peu près 1 an juste pour l'écriture. Donc dedans, je vais pas comprendre les recherches, je vais pas comprendre les créations de frises chronologiques précédentes. Voilà, 1 an. Juste d'écriture pure, brute. Quand une rencontre IRL, alors on pense organiser une rencontre à nos frais. On ne sait pas encore quand, mais on a commencé à avoir un plan par ta sœur, oui, potentiellement. Par ma petite sœur. Voilà, donc on pense organiser une rencontre à nos frais. Ça sera forcément sur Paris puisque c'est quelque part la plus grosse ville près de chez nous. Et sinon, on a des conventions qui arrivent. Il y en a une, comme on a dit, en octobre à Angers. Attends 2 secondes. Papa et Prod, salut, tu poses ta question. On y a répondu tout au début du live. Donc tu le verras en replay si tu veux. Mais t'inquiète pas, on a répondu. On a répondu. Voilà, donc on sera à Angers en octobre, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'annulation, voilà. Et on a une autre convention avant la fin de l'année, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, si elle n'est pas annulée, mais pour l'instant, on ne peut pas annoncer le nom de cette convention parce que c'est pas officialisé à fond. Bah oui, parce qu'ils sont toujours un petit peu en ce moment les pauvres dans la tension avec le... Voilà. Avec cette saleté. Te reconnais-tu dans un des personnages? Je ne répondrai pas à cette question. Alors, par contre, je suis désolé, on va esquiver les questions qui ont déjà été... Ouais, on a déjà répondu, hein, vous vous doutez bien. Depuis combien de temps tu écris? Je sais pas si on a dit ça, depuis combien de temps tu écris? Exactement, les 3 tomes. Juste écriture pure, 3 ans, mais il y a 10 ans en tout. C'est pas ça. Waouh, ça fait flipper. Je suis vieille. aïe. Ça fait 10 ans en tout parce que vous avez la réflexion, les recherches, la chronologie, les noms, les prénoms. Si vous saviez le temps que j'ai passé sur les prénoms, parce que chaque prénom que vous allez avoir a une signification précise, une racine, et j'ai pas choisi les prénoms au hasard. Voilà. Petit truc rigolo si vous êtes. Vous aimez bien. Est-ce que c'est un livre fantastique? Car l'annonce, on dirait un post-apocalyptique. C'est intéressant. Oui, on n'a pas trop réussi à le classer en fait. On l'a classé en SF, tout simplement parce que c'est pas du fantasy. C'est pas du roman d'anticipation. C'est pas du roman post-apocalyptique. On peut pas parler de magie, mais on peut pas parler de normes. C'est un petit peu barbare, j'ai envie de dire, dans la classification. Donc on l'a mis, ce qu'on avait trouvé de plus précis, c'est la science fantasy. Ouais, voilà. SF fantasy. Et non, les prénoms ne spoilent pas pour autant. C'est juste un peu intéressant pour saisir la personnalité des personnages. J'ai vu passer pour les librairies. Donc pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'il sera distribué. Je ne sais même pas comment fonctionne le monde de l'édition, si les libraires doivent commander ou voilà. Je ne sais pas du tout. Officiellement, si vous allez dans votre librairie préférée, votre libraire peut commander le livre. Il peut déjà commander le livre. Oui, oui, parce qu'il est disponible sur pas mal de plateformes, de librairies, des Fleurs du Nord, tout ça. Donc, exactement. On sait que, on l'a vu du coup sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura. Puis un abonné qui m'a contacté sur Twitter, qui m'a dit qu'il passerait par son libraire machin, et du coup lui en tout cas chez son petit libraire apparemment ça n'avait pas l'air de poser de problème. Voilà, donc on sait pas où est-ce qu'il sera distribué exactement, hein. Même dans les Fnac, on sait pas quelle Fnac aura le livre ou pas, on n'a pas la main sur ça. Je pense vraiment que ça dépend des personnes et de leur commande. Donc pour répondre à vos questions là-dessus, en général chez le petit libraire, parce qu'on en avait un à côté, moi, que j'aimais beaucoup, qui a malheureusement fermé il y a 4 ans maintenant je crois. À l'époque, je pouvais lui dire je cherche tel livre et il le commandait, donc ça doit pouvoir se faire normalement. Est-ce qu'il sera disponible au Québec? Oui, il me semble, parce qu'on a un abonné québécois qui nous a dit qu'il l'avait trouvé sur Amazon, Amazon CA. Voilà. Je dis pas de conneries. Donc, mais peut-être qu'il n'est pas précommandable au Québec, c'est ça, c'est possible. Je sais pas du tout. Il sera disponible en commande qu'elle a. Je sais pas du tout comment ça se passe, j'ai pas réussi à voir. On sait qu'on a un abonné canadien qui nous a dit que. Voilà. Voilà.
Tagalagada. Est-ce que le livre aura une traduction en anglais? Ah bah ça, je pense que ça dépendra de son succès. C'est toujours un peu comme ça, les livres sont souvent traduits parce qu'ils marchent. Donc ça, je peux absolument pas... Quel sujet dans vos prochaines vidéos? Alors, faut savoir que déjà, on va un peu tourner au ralenti au niveau des vidéos, parce que l'ordi n'arrête pas de lâcher pendant les montages. Non, c'est l'enfer. Je pense que le prochain Occulture sera peut-être le prochain de la saison. Pour une fois, en 3 ans, on va peut-être faire une vraie pause cet été. Donc, voilà. Par contre, comme d'hab, on ne vous dira pas le sujet. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un lien avec la Bible. Même plus que la Bible, les livres dits sacrés. C'est ça. Une question qui me fait rire. Est-ce qu'Alex a inspiré un de tes personnages? Oui, mais vous ne saurez pas lequel. Moi, je sais. Il y a Luciole qui te dit qu'elle est persuadée que tu vas faire un succès. Merci, ma Luciole. Un amour. Luciole qui nous suit depuis... Alors, dispo sur le site de ton éditeur pour la Suisse, si jamais j'ai pu commander sans souci. Bah voilà, donc la Suisse, pas de problème. Après, la question, c'était Outre-mer, donc... Outre-mer, je sais pas, moi, Amazon, je pense que ça pose pas forcément de problème. Bah, c'est sûr. Je sais pas du tout comment ça se passe. Par contre, si vous arrivez, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou nous envoyer un message. Ou même directement à l'éditeur pour savoir si c'est dispo, si oui, eux, ils peuvent envoyer. Oui, mais s'ils le trouvent, comme ça, moi, je sais, et après, je peux répondre aux autres. Ça peut être cool de savoir. Une question que je voudrais répondre, c'est la plume à papote. Oui. Quel conseil donnes-tu pour une jeune qui veut se lancer dans l'écriture? Ose. N'aie pas peur. Dis-toi que rien n'est gravé dans la pierre. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, j'ai peur d'écrire des trucs pas bons au début et puis que ça change. » C'est pas grave, tu reviendras en arrière. C'est génial, aujourd'hui on tape plus à la machine, on peut revenir en arrière, c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu plus chiant. Aujourd'hui t'as le droit de te tromper, t'as le droit de te corriger, t'as le droit de modifier. Et il faut, et c'est bien parce que ça évolue dans ta tête, ça bouge, ça se déforme. Tout est un peu plus large, donc... Ose, c'est le seul truc que j'ai envie de dire, ose. Tout le monde peut écrire. On dirait le gusto de l'écriture. Une version e-book sera-t-elle disponible? On a déjà répondu à cette question. Oui. Comment on va? Moi, ça va. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Et en plus, du coup, on peut pas mettre le ventilo parce qu'avec le micro, ça va être une horreur. Et puis, l'ordi, il chauffe tellement, vous imaginez même pas comment il est en train de cramer le truc. J'ai celle-là. Okay. Parce que ça fait 4 fois qu'elle passe. Crimson Nightfall. Tes personnages sont-ils pour toi des gentils et méchants, du genre qu'à un moment on dit j'adore ce mec et après on dit en fait c'est un connard. Et si je te disais que tu l'adores et que c'est un connard? Ils sont un peu tous comme ça en fait. Je crois que c'est ça. Et pas tous en même temps. C'est pas vrai. Ouais, j'allais te dire ils sont. C'est pas tous des connards. Ils sont gris. Ils sont ni blanc, ni tout blanc, ni tout noir. Ils sont mitigés. Et c'est sûr que, comme dans la vraie vie... Ils sont imparfaits. Moi, de ce que j'ai lu, comme dans la vraie vie, en fait, en fonction des situations, tu peux considérer que c'est des connards ou des gentils. Ils sont imparfaits. Voilà, comme nous. Ils nous sont faits à notre image. Un truc comme ça. Quoi, c'est vrai? Oui, non, mais clairement... Voilà. Pourriez-vous faire une vidéo sur les... Tic ballon, oui, c'est prévu. C'est dans la liste. C'est dans la liste, mais on ne sait pas quand ce sera fait. Si un certain Monsieur Astier veut racheter les droits de ton roman pour l'adapter en film, tu l'envoies chier ou bien? Mais tellement pas. Non, j'adorerais. Par contre, j'ai peur des moyens, parce que mon bouquin nécessite beaucoup de moyens d'adaptation, ne serait-ce qu'en termes de décor. Voilà, en termes de décor, il y a des trucs. Jeunet a fait des choses en termes de moyens un peu équivalentes, mais ça me semble très compliqué. Voilà. Mais bon, surtout... pas l'envoyer chier, c'est un dieu. Et puis surtout, le truc, c'est que si c'est adapté par un français, il faut qu'il s'attende à ce qu'il y ait beaucoup d'effets spéciaux, ce qui, dans le cinéma français, est quand même un peu compliqué. C'est encore un peu à la ramasse, soyons francs. Voilà. Ton père a demandé où étaient les chiens. Alors, il y en a une. Lucie qui dort là-bas. Je sais pas si on la voit. La petite chose là. Ici. Et Jock, il est derrière toi. Il est là. Là, le Jock. Et Thelma est dehors au pied. Non, elle est dans le couloir. Elle est dans le couloir. Bon, bah, Thelma, vous l'avez pas. Est-ce qu'il y a des innocents se font tuer dans ton livre? Est-ce qu'il y a une forme de sélection naturelle sur la loi du plus fort? Ah. Oh. Définis innocence. Compliqué d'être innocent. Voilà. Salut, coucou, j'ai 14 ans et je lis beaucoup de livres violents psychologiquement parlant et j'aimerais beaucoup lire ton livre. Tu penses que je peux? Alors, Gabin, je n'ai pas envie de te dire oui et en même temps, je n'ai pas envie de te dire non. Qu'est-ce que tu appelles des livres violents? Si tu as lu Sade, ça devrait aller. Si tu as lu L'échiquier du mal de Dan Simmons,
c'est un petit peu plus ça. Par contre, ce qui peut être bien, c'est tout simplement, tu demandes la permission à tes parents. Voilà. C'est encore le mieux. C'est ça. Après, voilà, ça dépend de tout le monde. Moi, j'ai lu ça, j'étais très très jeune. Vous verrez du coup ce que j'ai écrit en conséquence. Mais voilà, donc après, c'est à toi de voir avec tes parents, mon petit chat. Mais après, ça dépend de la sensibilité de chacun, c'est certain. Oui, je pense aussi. Quelqu'un qui demande si Wattpad est une bonne plateforme pour commencer. Il y a plein de gens qui démarrent sur Wattpad. Nisha a publié beaucoup de personnes qui viennent de Wattpad. Ouais, donc j'imagine que oui. Voilà. Tu voulais en dire, je t'en prie. Ouais. Tu as voulu passer un message engagé ou quelque chose dans ce genre, ou tu as voulu te concentrer sur de la fiction pure? Eh bien, les deux. Ouais. Je mets des tartes un petit peu à tout le monde dedans. Vous me connaissez maintenant. Je tape sur pas mal de trucs. Mets un coup de pied dans la fourmilière sur pas mal de sujets. Des petits coups de pied. Hein, je suis pas en train de changer le monde. Machin. Mais vous pouvez pas m'empêcher de faire ça, je crois. Donc, ça reste de la fiction. Mais ça n'empêche pas de dénoncer des trucs. Voilà, définition de l'innocence, tiens. Alors, le plus bas degré de la culpabilité et l'implication dans une injustice du type être au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors, par injustice, il faudrait qu'il y ait quelque chose de juste. Et par culpabilité, ça va dépendre de la psychologie de mes personnages. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'innocent. Voilà, dans mon bouquin. Quelqu'un qui demande si tu as une musique qui a forgé ton esprit et ton univers totalement déjanté, dans le bon sens du terme. J'ai beaucoup écrit en musique. J'ai beaucoup écrit avec Two Step From Hell, qui a été... j'ai écouté en boucle tout le temps. J'ai écouté beaucoup de musique classique, beaucoup de Beethoven, pas mal de Bach. Parce que ça reste... Du Rachmaninoff, énormément. Et puis, je sais pas, moi... un petit peu non, mais tout. Non, mais t'as écouté énormément de chansons... épique. Ouais, j'écris toujours en musique, par contre, ça c'est une loi, c'est une règle. J'écris constamment en musique. Je crois que ça permet de libérer un peu la tête. Je peux spoiler un peu? Ça dépend. Dis-moi l'oreille. Oui, ça tu peux. Ah voilà, il y a des titres qu'elle a écoutés pendant qu'elle écrivait qui sont directement écrits dans le livre. Voilà, et Flo dit l'acmé, pas vraiment. Oui, l'acmé, Flo a raison. Le duo des fleurs de l'acmé, je l'ai énormément écouté. Et du coup, en ce moment, parce que je vais quand même le dire, vu que j'étais très très triste d'avoir fini, bah, je me suis lancée dans un autre bouquin en rapport. Ouais. Je vais pas dire où il se place. En lien, tout à fait. Et du coup, l'acmé tourne énormément en ce moment. Désolée, mon chéri. Moi, ouais, pas de problème, je trouve très... Est-ce que tu as mis des coups de pied aux sectes? Oui, bien sûr. La FNAC indique la date de parution pour le tome 2 qui serait le 24-9-20. Que peux-tu dire là-dessus? C'était la première... pour le quoi? De quoi? 24-09, le tome 2. 24 septembre. C'est une date qui a été donnée par l'éditeur, mais qui pour l'instant n'a absolument rien de certain. C'est provisoire. C'est provisoire, tout simplement, parce qu'il faut bloquer, si vous voulez, l'espace de vente. Et puis, parce que, là, pour l'instant, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la santé dans le monde, c'est compliqué de certifier des dates très longtemps à l'avance. Voilà, mais comme on vous l'a dit, évidemment, tout arrive avant Noël, donc oui, en effet, il y a bien... Enfin, ça va être... Les trois livres, finalement, vont être annoncés assez rapidement, donc évidemment, celui-là est déjà annoncé, mais attention, on ne peut pas certifier de cette date. Je pense que c'est bien, bien de le dire. Faut-il s'y connaître en légende ou en mythologie pour comprendre le livre? Quelqu'un comme moi peut le lire sans problème. Tu peux le lire sans problème, parce que il y a plein de choses qui sont expliquées, du coup. Et il y a des choses, en fait, où je vais citer des noms. Tu vas comprendre ce que ça signifie, des mots, par exemple. Tu vas comprendre ce que ça signifie, mais peut-être que parfois, tu te diras, tiens, ça m'intrigue, ça. Et du coup, tu pourras aller fouiller un petit peu plus avant, un peu comme ce qu'on fait dans les vidéos, finalement, où nous, on vous fait de la vulgarisation. Et si après, vous voulez approfondir, il y a des sources. Bah, c'est un petit peu le même système avec le bouquin. Quelqu'un qui demande si ton livre est facile d'accès niveau écriture, ou est-ce que c'est plutôt des personnes... livre-vore, comme elle dit. Ah, oh, c'est joli. C'est très facile d'accès. C'est très, très facile d'accès. J'ai une amie qui l'a testé, qui ne lit absolument jamais, ou excessivement peu. La dernière fois qu'elle avait lu, je crois que c'était au collège, le mystère de la chambre jaune, et qui ne lit absolument jamais. Et du coup, je lui ai passé, et elle l'a bouffé en 2 jours, alors qu'il est un petit peu épais.
Donc non, c'est très très accessible, ce n'est pas de la littérature complexe. On n'est pas sur du Zola, avec des pages et des pages et des pages et des pages, c'est très très sympa, hein, mais avec des pages et des pages de description. On n'est pas sur ce dont se moque Alexandre Astier très très bien d'ailleurs, avec la frisottée moustache, l'abeille roguenarde, des licences poétiques absolument partout de façon à vous étouffer sous la culture de l'auteur. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans cet esprit-là, l'idée c'était vraiment de vous raconter une histoire et de vous embarquer dedans. Donc toi tu disais que c'était plutôt écrit comme un scénar en fait. Pour moi, il y a des ressemblances avec un scénario parce que en effet, tu vas très vite dans les sujets, tu fais très peu de descriptions au final, tu laisses vraiment libre cours à l'imagination. Il y a la description, mais juste. J'ai dit très peu. Ouais, j'ai juste très peu. Qu'il faut, j'ai en fait. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit juste très qu'il peu. Faut pour que vous puissiez vous représenter le décor. Maintenant, en effet, il y a aussi pas mal de dialogues, donc c'est pour ça que quelque part, c'est facile d'accès parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui font avancer l'histoire. Hein. C'est pas juste des dialogues qui sont là pour être là sans aucun intérêt, ça fait avancer l'histoire. Mais je pense que ouais, c'est un peu. En tout cas, ce serait facile de. J'ai vu la question passer, mais ce serait facile de l'adapter en série ou en film. Oui, je préfère en série, je personnellement. Pense. Je pense. Oui, moi aussi, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Donc en film, ce sera un petit peu rapide. Selon toi, pour poser le décor, il faut prendre combien de lignes? En fait, ça va, pour pas perdre ton lecteur, ça va dépendre. Il y a des gens qui maîtrisent merveilleusement bien les descriptions et qui sont capables de faire 3 pages sans perdre le lecteur. Tolkien reste à mes yeux le génie là-dessus. D'explication et de description. Ça coule et tu te perds pas. Tolkien, si tu commences Le Seigneur des Anneaux avec la description des Hobbits, ça peut être compliqué aussi. Hein. Parce qu'il pose le décor, mais c'est très long. Oui, mais ça ne te perd pas pour autant. Non, ça ne te perd pas. Voilà. Et puis, je pense que ça dépend de ce que tu sais faire et de ce que tu aimes faire aussi. Voilà. Oui, aussi. Oui. Ce que tu sais faire, généralement. Parce que moi, je n'y arrive pas à 3 pages de description. Je sais qu'il y en a une où il y a 2 à 3 pages de description pour un décor, mais je l'ai fait parce que c'est un décor... névralgique, si vous voulez. Voilà. Est-ce que le live sera rediffusé? Oui, il sera en accès. Alors, on ne le met jamais en répertorié, donc il sera juste dans la... comment ça s'appelle? La playlist. Voilà, dans la playlist, la live. Il est sur quoi, ton livre? Alors, c'est un peu compliqué de répondre, mais si tu peux déjà peut-être aider à comprendre. Après, il y a un très bon synopsis. Hein. Ouais, j'en avais envoyé un pas mal à Pauline pour expliquer un peu. Si vous voulez... Depuis mémoire d'homme, il existe sur Terre des personnes qui s'affrontent dans l'obscurité, je ne veux pas vous spoiler. Ils s'affrontent pour rétablir le peson. Voilà. Et ce conflit dure depuis des milliers d'années maintenant. Et si ils veulent enfin, si vous voulez, tout simplement équilibrer tout ça, il va falloir qu'ils aient recours à une arme qui d'habitude est détruite. Et il s'avère que cette arme n'est peut-être pas ce à quoi il s'attendait. C'est très compliqué de vous le dire sans vous spoiler, en fait. Vous allez vraiment avancer au fur et à mesure, vous allez gravir les petites marches les unes après les autres. Donc, vous inquiétez pas, par contre, soyez prévenus, en 1 ou 2 chapitres, vous êtes plongé dans le truc. On va pas tergiverser, vous êtes jeté dedans un petit peu, nage. Mais le personnage que vous allez suivre au départ, lui non plus, ne comprend rien à ce qui se passe. Et du coup, vous allez comprendre en même temps que lui. Voilà. Il est vraiment là pour vous aider à percer cet univers et à rentrer dedans. Ouais, il y a Lucio Littéraire qui demande si tu conseilles d'écouter Two Step From Hell en même temps qu'on lit. Ouais, carrément, ça détend. Après, Two Step From Hell, je vous le conseille pour les scènes de bataille, pour les scènes épiques, pour les scènes d'ultra-violence. Voilà. Après, sur le tome 1, vous allez voir, j'ai cité pas mal de musique. Ça peut être sympa si vous avez à côté de vous les chansons et dire « Ah bah tiens, je vais relire ce passage en écoutant ça, tiens, je vais lire ce passage en écoutant ça. » Je l'ai fait sur le 1, je ne l'ai pas fait sur le 2 et le 3 parce que ça ne correspond plus du tout à l'ambiance. Mais oui, je vous conseille d'écouter de la musique en lisant, d'essayer parfois d'adapter, c'est rigolo. Il y a un passage que vous aimez bien sur n'importe quel livre, vous trouvez une musique qui vous fait penser à ça et paf, vous le relisez en même temps et vous allez voir les images, elles apparaissent dans la tête et pop comme des bulles et c'est super chouette. Il y a un conseil de Flo. Ah, Flo qui l'a lu dit que du Björk, ça passe très bien aussi. Donc voilà. Oui, il a pas tort. Tu te vois écrire un livre dans un autre univers totalement différent de cette trilogie ou tu comptes faire de l'univers fantasy SF ta marque de fabrique? J'aimerais bien écrire autre chose, mais pour l'instant, j'ai pas fini de tout raconter. Voilà, j'ai raconté beaucoup de choses dans ces 3 tomes. Mais comme je disais, j'ai fait une chronologie qui remonte à -3500 avant Jésus-Christ. Donc j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Donc, et ça prend trop de place dans ma tête. C'est horrible. Quelqu'un qui demande si citer les musiques, c'est pas dérangeant pour les droits d'auteur. Alors non, citer des œuvres n'a rien
ne touche à rien du tout en termes de droits d'auteur. On peut, dans un livre, tu peux citer des musiques, des films, aucun souci. Même, d'ailleurs, même dans un film, tu peux citer des autres œuvres, le droit d'auteur ne s'applique pas à ce moment-là. Dorian Kruger qui demande s'il y a des personnages gays et qui a lu tout ça de vers 16 ans et qui a adoré. Oui, il y a des personnages gays. Je mettrais un petit peu plus de nuance à ce que tu dis. Oui, il y a des personnages LGBT+. C'est ça, ouais. Après, le problème de ce que tu as écrit, c'est qu'ils peuvent même pas se considérer comme LGBT+, puisque cette notion d'LGBT+, n'a pas lieu d'être dans ce que tu as fait. Dis-toi que le livre est profondément libertaire, et j'insiste sur le libertaire et pas libertin, ça n'a pas du tout la même signification. Non, voilà. Libertaire. Le livre est profondément libertaire, donc oui, si c'est... Enfin, je pense comprendre ce qu'il veut dire, et oui, voilà. Ouais. Parce que j'ai envie qu'il y soit un peu le reflet de notre société, donc à partir de là, voilà, peut-être de ce que j'aimerais qu'elle soit peut-être aussi. Bonsoir, si pas de possibilité de film dû à trop d'effets spéciaux, pourquoi ne pas tenter un manga animé? Alors, on n'en est pas encore là, hein. Je kifferais de fou, mais attendez, déjà, il faut que le livre se vende. Il faut que ça vous plaise. En manga, ça passerait super ouais, bien. Ouais, en manga, ça passerait de ouf, mais j'aurais peur qu'on perde la... Je sais pas comment dire. Oui, pourquoi pas, j'ai vu des très bons trucs. Oui. Mais dites-vous que d'abord, il faut qu'il se vende. Il faut que vous le lisiez. Il faut que ça vous plaise. Il faut que ça plaise à d'autres gens. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il soit traduit. Oh, ça va être long. Regardez les gros succès comme The Witcher, par exemple. Enfin, ça date de 94, il me semble, le premier. Ou 96, peut-être. Ouais, 94, c'est peut-être Game of Thrones. Mais c'est pareil, Game of Thrones, The Witcher, ils fonctionnent maintenant, mais ils sont sortis il y a presque 30 ans maintenant. Donc voilà, parfois on peut pas imaginer du tout où va amener un livre. Donc de là à dire que ça va être adapté en manga, il y a du temps. Ouais. Enfin, on verra bien. On verra. Voilà, c'est ça. Très angoissée, je vous assure, parce que crotte. Pour rester poli, j'ai mis tout ce que j'avais dedans et je suis pas bien. Je suis pas bien. Est-ce que les autres tomes sont déjà écrits? Oui. Mais vous inquiétez pas, vous allez pas vous faire avoir. La fin est écrite. L'éditeur a tout. Voilà. Tu acceptes les fanarts de ton roman? Parce que je sens ça me... Mais de ouf. Mais ce serait trop bien. Ah, ce serait adorable. Il va falloir beaucoup de rouge. Pardon. C'est sortiment. Doit-on comprendre que le tome 3 ne sera pas un point final à ton histoire? Ah, bonne question. Oui et non. Regarde. Tu te couches le soir, c'est pas un point final à ton histoire, quelque part. Mais tu te couches. Ouais, vas-y, vas-y. Je sais pas comment te répondre, c'est comme une fin de calendrier, si tu veux. Voilà. C'est ça, c'est... C'est pas une... Enfin, disons que tu laisses la fin... Tu clôtures la fin de ton tome 3, c'est clôturé, voilà, ça, c'est pas une fin ouverte. Par contre, c'est pas... Pour moi, hein, je vais un peu dire mon ressenti, mais pour moi, c'est pas un point final. Parce que c'est la vie ne s'arrête pas là, en fait, tout simplement. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas une fin ouverte. Voilà. Mais c'est pas un point final. Une fin en soi, mais une fin ouverte. Non, voilà. Bah, tu vois, le roll-up, du coup, non, en effet, c'est pas une fin ouverte. Oh, le roll-up. Penses-tu changer le mode de pensée de tes persos qui deviennent plus humains ou pires qu'avant? Non. Voilà. Non, parce que quand j'écris à chaque fois que je crée un personnage, je commence quasiment de sa naissance. Jusqu'au moment où on commence avec lui. Donc, en fait, tout est déjà écrit sur son background. Donc, tu peux virer ce mec-là qui est dégueulasse. Excusez-moi, il y a un... Non, je vais pas dire un cochon. J'aime bien les cochons, c'est mignon. Ah. Oui, vire-moi dégueulasse le dégueulasse sort. Excusez-nous. Voilà, c'est fait. Quelqu'un qui demandait ce qu'est... Voilà, Azalaïs, est-ce que si tu pouvais adapter ton roman dans n'importe quel autre média, BD, film, jeu vidéo, quelles seraient tes préférences? Je trouve que c'est une bonne question. Repose parce que j'ai... Ton roman, s'il était adapté, tu préférerais en quoi? BD, série. Film, série, jeu vidéo? Série. Série? Ouais, série, parce qu'il y a beaucoup de trucs à raconter. Oh, jeu vidéo, ce serait fun, mais... Pour aussi, c'est faisable. Faudrait un monde ouvert. Faudrait un RPG, c'est sûr. Oui, c'est ça, faudrait un RPG. Un RPG. Est-ce que tu penses créer un multivers à la Stephen King, que tout soit lié? Non. Non. Mais en fait. C'est un univers. Ouais, ouais. C'est le nôtre, mais voilà. Passer par les éditions d'Arcana, ils sont spécialisés. Oui, non, mais.
On va déjà sortir les trois livres. Ouais, voilà, on va déjà et sortir les trois livres. Orcana ou Darkana, en effet. Un RPG à la Zelda, ouais, ça serait pas mal. Mais avec plus de choix, pas... enfin, faudrait qu'on puisse choisir le personnage. Plus à la Elder Scroll, en fait. Oui. Oui, Elder Scroll, c'est un bon exemple. Combat à l'épée ou fusillade? Ni l'un ni l'autre, enfin... Oubliez les armes à feu, en tout cas. Ça, je le pose tout de suite. Il n'y a pas d'armes à feu. Voilà. Le cochon, c'est mignon. c'est comme Pierre Botero avec... Et je connais pas du tout. Evilan et Willan. Il y a plusieurs séries dans un même univers. Je connais du tout. Si, si. Le chat parle beaucoup de la violence, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. Tu penses que quel terme prédomine? L'honneur. Voilà. Énormément. Les concepts de bien et de mal. C'est beaucoup ce que je remets en cause. Et le concept du destin. Voilà, ça doit être ça. Qui prédomine, finalement. La violence n'est pas le sujet prédominant. Elle est ultra présente, parce que les conditions font que, mais c'est pas le sujet. Il y a quelqu'un qui demande comment devenir bêta-testeur. Trop tard, mon chat. T'inquiète, il reste que 2 mois. Il reste que 2 mois, je suis pas bien. C'est horrible. Est-ce qu'il y a des créatures cryptozoologiques qui apparaissent sans dire lesquelles? Il me semble qu'il y en a... Quelque part, oui. Moi, il me semble qu'il y en a une en particulier qui m'avait marqué. Oui, mais on ne peut pas dire qu'elle apparaît ou pas. C'est plus vicieux. C'est chiant. J'aurais dû écrire un truc plus simple. Comment se fait-on éditer? Eh bien, on envoie. On envoie, et puis on espère, et puis on accepte les noms, on les tolère, on les collectionne, et puis c'est pas grave. Et puis on repart avec la suite, et puis on s'acharne. Voilà. Y a Alice au Pays des Rêves qui demande l'autorisation de nous envoyer un fan art en privé, parce qu'elle ne veut pas le publier, mais bien sûr, il n'y a aucun problème, on nous envoie des fan art en privé ou publié, peu importe. On en reçoit même par la poste parfois, parce qu'on a une adresse où vous pouvez nous envoyer des trucs. Et ils sont tous accrochés en fait dans l'endroit où on tourne. Qu'on appelle le Nautilus. On appelle le Nautilus. En fait, dans le Nautilus, vous voyez le fond, et puis en face de nous, y a vos fan art. Voilà, il y a vos petites, il y a les photos qu'on a prises ensemble en convention et un petit peu tout ça. Et comme ça, quand il fait très très chaud dans la pièce et qu'on n'en peut plus parce qu'on n'arrive pas à retenir la phrase en entier et qu'on s'énerve, et ben on voit vos petites bouilles, on voit vos dessins, vos machins, et ça nous motive à continuer. C'est bien dit. Tu as mis combien de temps entre l'idée, l'écriture et l'édition? 10 ans. Oui, on a répondu ça. 10 ans tout à l'heure. Abonné depuis peu. Bienvenue. Qui n'a pas peur, parce que si la qualité est la même chose que les vidéos, je n'ai pas de soucis. Merci, c'est gentil, c'est un bon compliment. Mal, oui, c'est je t'en veux mal, j'ai tellement peur, vous n'imaginez même pas. Y aura-t-il des produits dérivés? Non, je pense pas. C'est rare les produits dérivés sur des livres, parce que même au final, si on prend un exemple comme Harry Potter, il n'y avait pas de produits dérivés avant l'arrivée des films. Il y avait des sacs. Ah ouais? Ouais, il y avait des sacs. Quand j'avais eu un sac, parce que j'étais arrivée, je suis mon petit libraire, là, le mouton. Ah oui, mais c'est la saga avait déjà bien commencé. Oui, mais il y avait le sac qui était illustré pour les 20 premières ventes, je crois, du magasin avec la couverture. Ouais, voilà. Bon, c'est tout. Non, il n'y aura pas de produit dérivé. Ça serait chouette. Il y aura de la scatophilie consentie dans le livre ou ça reste soft niveau évident? Quoi? Il n'y a pas de scatophilie. Non, il n'y a pas de scatophilie. D'accord, c'est pas grave. Chacun son truc. Mes petits bouts de papier sont... Oui, Aurora, tes petits bouts de papier sont toujours là. Et j'ai tout fait plastifier. J'ai tout plastifié dernièrement. Tout plastifié pour pas que ça s'abîme. Voilà. Pour pas que les lampes partent, ce genre de choses. Mais le soleil. On garde tête dessus. En quelle année, époque, se passe l'histoire? Maintenant. Alors, voilà, année, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'année. Je mets pas d'année, en fait. Je vous laisse un peu dans le flou, notamment sur les lieux. Par contre, tout est inspiré de lieux réels. Donc, il est très possible que certains se disent « Tiens, ça me fait penser à quelque chose que je connais. » Tout est inspiré de lieux réels, mais je ne cite jamais de ville, de pays, de région. Tout simplement pour que n'importe qui dans le monde puisse se dire « Tiens, ça pourrait être chez moi. » Voilà. Combien de temps tu as attendu pour faire lire à tes proches? Attends, je ne sais plus combien de temps j'ai fait avant de te faire lire. Alors, en vrai... Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, en vrai, l'anecdote, c'est que quand on s'est rencontrés, elle avait déjà commencé les prémices de cette histoire.
Voilà, donc je parle de ça, on est en 2011. Ouais. Un truc comme ça. Elle avait commencé les prémices de cette histoire et je tombe dessus pendant que tu rangeais des trucs à l'époque chez tes parents, dans ta chambre. Quand on allait déménager, en fait, voilà. S'installer. Et je découvre un premier chapitre d'une histoire. Voilà, et donc j'ai lu. Et elle m'explique que c'est une histoire qu'elle a en tête depuis un moment et qu'elle a commencé sans jamais réussir à savoir où ça allait l'amener. Donc bon, à ce moment-là, je t'avais dit qu'il fallait tenter de continuer. Mm. Et puis, disparu de la circulation jusqu'à... Visuellement, parce que oui, là-haut, ça cramait en fait. Et puis un jour, bah, voilà, elle a repris cette histoire. Donc le premier chapitre que moi j'ai lu donc, il y a de ça 9 ans n'est pas du tout le premier chapitre qu'il y a actuellement dans le bouquin. Mais voilà, donc ouais, ça fait un moment que ça trotte, et du coup, ensuite tu m'as fait lire ça assez rapidement. Dès que tu as recommencé à écrire, j'ai eu 3 mois en tout cas de lire tout de suite. Tu m'engueulais quand j'écrivais pas assez vite. Ouais, relou. Ouais, ouais. Bah en fait, c'était très compliqué parce que, comme tout le monde, j'imagine, en tout cas quand on lit, on aime lire tout d'un coup. Les pauses, c'est un peu chiant quand il y a un bouquin. Et là, c'était pire que des pauses. C'est que des fois, j'avais le droit juste à des morceaux, des petits paragraphes. Et après, c'est tout ? Ah oui, je voulais juste ton avis. Ah ! Et je voulais savoir la suite. mais ouais, c'est assez étrange du coup d'être alpha testeur comme ça, presque en direct de l'écriture, parce que c'est vraiment du compte-goutte, quoi. J'avais l'impression qu'on me nourrissait vraiment goutte à goutte. Ça va me plaire. Tacatacata. Est-ce que le roman se passe dans le monde réel avec quelques éléments cachés du grand public, ou alors c'est un univers totalement différent du nôtre? Les deux. Ouais, je confirme. La réponse est les deux. C'est ça, hein? Mm. Tes personnages sont-ils devenus ce qu'ils sont devenus à cause de leur passé ou parce qu'ils l'ont voulu tout simplement? Eh ben les deux aussi. Oh, oui. Oui. Parce que quelque part, ton éducation joue, mais tes choix aussi. Voilà. Ils sont un peu comme vous, comme nous, comme tout le monde autour, en fait. Tout simplement. Durant la finale, pas testeur, merci. Dans ton livre, la mort est-elle vue comme une fatalité ou un châtiment ou un choix imposé par la destinée? C'est une bonne question parce que c'est compliqué à répondre. Donc je te laisse faire, je vais boire ma bière. Tu le sauras quand tu auras éclairci le peson. Oh là là. Je peux pas le dire autrement. Oh là là. Vas-y, c'est compliqué. Mais vraiment, c'est ça la réponse, en fait. Mm. Donc, Oh, ah. Bon, tu vas se réveiller. Ah. Attendez, excusez-nous, ils ont fait tout ça. Timmy a fait un cauchemar, du coup, elle a réveillé les autres. Beloudina, oui, tu as raison. Parfois, j'étais... En fait, je faisais semblant de pas lire ce qu'elle était en train d'écrire en direct. Et au final, je lisais en temps réel. Et je te voyais sur le côté. Je te vois, hein. Laisse-moi tranquille. Donc, ouais, pour passer le temps, en général, j'étais en train, en parallèle, d'écrire un épisode de culture ou du haut jeu vidéo, évidemment. Je voudrais répondre à la nouvelle dont le nom est beaucoup trop long, donc... Hélène Alandril Sylvestre. Je dessine pas mal et depuis que j'ai 17 ans, j'ai un projet de BD. J'ai l'histoire et les dessins seront très faciles. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et toujours rien. Vous avez des conseils? Fonce, ma belle. Fonce, mon grand. Je ne sais pas. Sylvestre, ça peut être un jeune homme. Donc, non, fonce, quoi qu'il arrive. Et ose, prends une feuille, pose-toi et vas-y. Et c'est pas grave, je trouve ça pas bon. Tu recommences et tu recommenceras. Mais fais ton truc. C'est pas. Ce serait dommage de pas le faire. Au début, moi, j'ai pas écrit pour que ce soit publié, en fait. C'est ça que. Oui, c'est vrai. J'ai jamais écrit ça pour que ce soit publié. Au début, je l'ai écrit parce qu'il fallait que ça sorte de mon crâne. Vraiment, ça prenait trop de place. J'en dormais plus. Et je l'ai écrit pour me libérer du truc. J'avais besoin de raconter cette histoire. C'était plus fort que moi. Et Alex, c'est toi qui m'as dit, il faut l'envoyer. J'ai fait, non, je voulais pas au début. Je voulais absolument pas que les gens le lisent. C'était tellement personnel, c'est tellement moi ce bouquin que je voulais pas que ce soit lu. Et du coup, c'est toi qui as insisté pour que je l'envoie. Et mon papa aussi, il a été têtu. Oui, et ma maman, ils ont été têtus aussi. Et donc voilà. Mais fonce, il faut que tu y ailles. Tu auras des regrets. Même si personne d'autre que toi le voit, au moins tu te diras, ouais, je l'ai fait. Et c'est cool. Ouais, c'est beau. je vois Aurora qui s'en va. ciao. Alors, y a-t-il un pacte avec les forces du mal comme dans Faust de Goethe ou une rédemption comme dans la BD Spawn
sans dire à quel moment. Je peux pas vraiment répondre à cette question. C'est un peu compliqué. Je peux pas vraiment répondre. Ce serait un peu spoil, le tome 3, carrément. Je commence l'écriture de mon premier tome, mais j'ai le problème de la page blanche, et c'est très frustrant, car quand je me mets à écrire, je me rends compte que ça tourne en rond. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, pour la page blanche, t'as déjà répondu, mais... Ça m'arrive pas. J'ai de cette chance, ça m'arrive pas. Je connais plein de gens à qui ça arrive, et je les plains beaucoup. Peut-être que tu écris, tu lances, c'est pas grave, tu relis pas tout de suite. Tu reliras dans 3 à 4 jours, même 4 semaines, on s'en fout. Écris, et ne te relis pas tout de suite. Tu te lances. Peut-être la musique, moi, ça m'aide beaucoup. Regarder des trucs que t'aimes, des films que t'aimes, relire des choses que t'aimes, voir des gens, moi, sortir, c'est bête, j'aime pas sortir, et pourtant, j'avais beaucoup besoin de voir du monde quand j'écrivais. Ça m'aide beaucoup. Mais ne te relis pas tout de suite. Relis-toi dans 3-4 semaines ce que t'as écrit, et continue d'avancer systématiquement. Voilà. Et après, il sera temps de tout reprendre et de tout refaire. Parce que souvent, on se dit, ah non, ça, j'aime pas. Et du coup, on n'arrête pas de revenir en arrière, et on tourne en rond, et on s'en sort pas. Ou alors, fais comme il y a beaucoup de gens qui font ça, fais-toi une timeline des événements qui doivent advenir. Il y a beaucoup d'écrivains qui commencent par écrire la fin. Oui, aussi. Bussy fait ça, oui. Ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont avant d'entamer vraiment l'histoire et les péripéties qui vont se dérouler. Est-ce que c'est compliqué de parler de certaines choses du livre sans spoiler? Ouais, c'est super difficile. C'est super difficile parce qu'en plus, le bouquin, vous verrez, il est composé de cliffhangers, mais tout le temps. Oui, tous les trois. Les trois ont des cliffhangers, ouais, parce que même au final, la fin du tome 3 reste une sorte de cliffhanger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais vous poser des questions, je vais répondre à certaines, mais je vais vous en poser encore plus. Voilà. Et il faudra lire la suite pour avoir les réponses au fur et à mesure. Un problème pour décrire les émotions. Ah, c'est super intéressant, ça, comme question. La prochaine fois que tu ressens un truc, ou alors pose-toi dans ton canapé, tranquille. Et tu te dis, tu repenses à quelque chose, je veux décrire, je sais pas, la mélancolie, pense à une fois où tu as été mélancolique. Et essaye de te rappeler de ce que tu as pu vivre, de ce que tu as pu faire. Après, tu as des gens qui décrivent merveilleusement bien les émotions. Tu as toute la période romantique en littérature française, qui est très très douée pour la description des émotions. Tu as Lamartine, qui s'en sort très très bien, peut-être lire des choses où les gens décrivent beaucoup d'émotions. Ça peut aider parfois. Un conseil pour les gens, faites un recueil de pensées, d'idées fouillées et construites une œuvre à partir de ces notes. Oui, c'est pas con, quand tu vois par exemple toutes les notes de Tolkien qu'on retrouve à droite à gauche, c'est une idée. Bien sûr, il faut tout mettre, tout ce qui sort de ta tête. Tu l'as mis dans mon petit carnet. Voilà, dans ton carnet, mais... Voilà. Il y a une question qui était chouette aussi. Es-tu pour les théories sur ta saga? Ouais, carrément, lâchez-vous. J'adorerais vous voir vous triturer le cerveau pour essayer de comprendre tel petit bazar, tel petit machin. Est-ce que ça, c'est une référence à ça? Est-ce que ça, ça veut dire ça? Ça me plairait bien. Est-ce que les toutous sont frères et sœurs? Non. Aucun de la même fratrie. Ils sont tous... Si, ils sont frères et sœurs. Bah, maintenant, oui, on les a avec nous. Mais ils viennent tous de refuges différents. Oui. Ah oui, d'ailleurs, tiens, on va en profiter. Petite pause sur le bouquin. Aujourd'hui, c'était pas une journée comme les autres. C'est la journée du stop à l'abandon. Vous savez qu'on est très, très sensible à la cause animale ici. Tous les ans, 10 000, des milliers, des, je crois que c'est 10 000 ou 100 000. Environ 10 000, on n'a pas les chiffres. 10 000 animaux environ, sont abandonnés en France. Plus de 6 000 seront abandonnés uniquement pendant la période de l'été. Beaucoup de refuges et d'associations demandent aux gens, aux youtubeurs, etc., de sensibiliser. Donc on va faire notre petite part vite fait comme ça, même si on le fait un petit peu toute l'année. Il y a plein de solutions si vous ne pouvez plus garder votre animal. Vous pouvez l'abandonner effectivement en refuge. Si vous ne pouvez pas partir en vacances avec, vous avez la possibilité des gardes. Vous pouvez trouver aussi des amis qui passent ou qui les prennent à domicile. Il y a toujours une solution. On en trouve toujours une. Mais l'abandonner sur le bord d'un chemin, au milieu de la route, ou pire encore, il y a des gens qui ont de l'imagination pour la cruauté, je vous en supplie, il y a toujours une solution. Mmh. On peut toujours aider, on peut toujours trouver un autre moyen. Pour ceux qui n'ont pas d'animaux ou qui en ont et qui pensent à en prendre un deuxième, un troisième ou un quatrième, ok, sachez que l'adoption est une chose réfléchie. On n'adopte pas du jour au lendemain par comme on va s'acheter une paire de chaussures ou un petit t-shirt. C'est une vie que vous sauvez, c'est une vie que vous prenez avec vous. C'est pas quand vous avez fait un enfant et qu'il est là,
vous pouvez pas vous dire du jour au lendemain, non, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule, ça prend trop de temps, la bouffe, c'est trop de sous, les sorties, c'est trop fatigant, vider la litière, c'est trop difficile. Tout ça, faut le penser en amont. Pensez-le en amont. Calculez votre budget, calculez votre temps. Et soyez aussi à l'écoute des bénévoles dans les associations qui vont dire, même si vous avez un flash sur un chat ou un chien, qui vont dire cet animal n'est pas adapté à votre mode de vie. Vous avez des chiens qui ont besoin d'une présence constante. Vous avez des chats qui ont besoin d'un jardin. Vous en avez d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Comet, notre première chienne qu'on a malheureusement perdue, ça a été compliqué pour nous en septembre dernier, qui est partie à l'âge de 21 ans, ceux qui nous suivent depuis longtemps. On a sans doute vu des photos de cette petite merveille. On l'avait adoptée à la SPA. Et Comet était un très grand chien de 68 kilos. Elle n'était pas grosse, elle était géante. Ouais. Notre petit poney pouvait vivre en appartement. Voilà. Alors que c'était un grand chien, donc il y a toujours des chiens qui peuvent selon ce que vous aimez. Et sachez, voilà, être raisonnable parfois sur les choses. Nous, on a trois chiens. On a Joke, Thelma et Lucie très récemment. Mais on sait qu'on a la place, qu'on a le temps et on calcule notre budget. Voilà, on a toujours des sous de côté pour eux, pour les opérations, les problèmes de santé. On pense à tout ça, c'est de l'équipement. C'est comme un enfant, on y pense fort. Voilà. Donc, aussi, ceux qui cet été croiseront un chien sur le bord de la route, ne détournez pas le regard, ne le laissez pas mourir tout seul. Pareil pour les chats. Il y a plein de numéros, il y a plein de solutions, mais ne détournez pas le regard face à la misère, s'il vous plaît. On s'arrête, on passe un petit coup de fil, on trouve une solution, mais on ne laisse pas les animaux tout seuls mourir de faim parce que les chats et les chiens ne peuvent plus vivre seuls aujourd'hui. C'est des animaux qu'on a domestiqués, on a appauvri leur instinct avec le temps, sans nous, ils meurent. Voilà, c'est une réalité. Mmh. Ceux qui ont la possibilité d'être famille d'accueil, tentez le coup. C'est une super aventure. C'est quelque chose. C'est génial. On a eu la chance de l'être pour des chiens, des vieux, des jeunes. Des moi, chats. J'ai eu la chance de biberonner Flo, donc vous entendez souvent parler, à deux petits chats merveilleux, Moon et Morito, qui font partie d'une fratrie de quatre qu'on a biberonné il y a trois ans. Ils sont arrivés, ils avaient 4-5 jours, c'était des pétards. Abandonnés avec le carton sans la mère, donc la personne qui l'a abandonné n'en avait rien à foutre, clairement, de savoir que les chatons n'étaient pas sevrés. Et du coup, moi, parce que j'en suis surtout occupée, parce que tu bossais beaucoup à ce moment-là, je me levais toutes les 2 heures, jour et nuit, pour biberonner les 4 petites crottes. Et c'était absolument merveilleux, mais c'est une belle expérience. Et si un jour vous avez la possibilité, le temps, l'espace, l'argent, surtout le temps, parce que le temps. À limite, l'argent, la SPA pour le coup, nous l'avait pris, pris toutes les charges, tous les frais vétérinaires, tout ça pour eux. Je vois plein de gens qui disent qu'ils ont fait plein de choses. Je vous félicite tous parce qu'il y a plein de gens. Je sais qu'on sait que dans nos abonnés, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à ça. On lâche rien, les loulous, et un jour peut-être que ça va s'arrêter toute cette merde. Voilà, merci. Donc, oui, pensez au temps. Souvent, et à l'énergie que ça vous réclame. Mais si vous pouvez, faites-le. Voilà, on va clore ce petit truc. Stop à l'abandon. Voilà. Et cet été... Adopt, don't chop. On lâche rien. Et adopt, don't chop, les refuges débordent déjà. Voilà. Voilà. J'ai plus de ressenti envers les bêtes qu'envers les humains. C'est grave, docteur. Pas du tout. Non, c'est pas grave. C'est totalement logique. Ça a été vachement expliqué, en plus, ça... C'est une question de neurones miroirs, c'est une question de vécu. Parce que souvent, les humains te font plus de mal que les bêtes. Donc, c'est un petit peu difficile de pas faire un petit écart. Est-ce que tes persos sont fous à cause du monde auquel ils vivent, ou bien sont-ils fous et intelligents pour survivre dans ce monde déjanté? Ils sont pas fous. Ça veut dire quoi? J'ai envie de citer Astier. C'est quoi fou? Ça veut rien dire fou. C'est fou. C'est les autres qui sont fous pour eux. C'est pas eux, mais c'est ça. Ils sont pas fous. Mais ils le sont à cause de leur monde et à cause de leur choix aussi. Crayon, machine ou PC? PC et crayon. Comment on fait pour concilier, enfin toi, comment as-tu fait pour concilier la vie professionnelle et écriture? L'année dernière, je travaillais dans un lycée en tant qu'assistante d'éducation, donc j'avais pas mal de temps, mine de rien, même si j'étais à 40 heures par semaine, je crois. Je sais plus, c'était énorme, bref. Ouais, un truc comme ça. Mais j'avais, vous savez, les heures de surveillance des petits loulous qui sont collés. Même si j'essayais de faire de la philo avec eux, des activités, des machins, pour essayer de... Il y a le bac quand même à préparer. Parfois, j'avais du temps pour écrire et du coup, j'avais toujours mon PC dans la poche. Dans le sac, plutôt, la taille du truc. pour écrire une ligne, deux lignes. Et puis, en fait, surtout, très sincèrement, j'ai manqué de sommeil. Voilà, je suis en gros, gros déficit de sommeil. Ça doit faire 3 ans maintenant que je dors maximum 4 heures par nuit. Parce que je n'ai pas le temps de dormir. Parce qu'il y a ça, puis il y a aux cultures aussi, qui prend un peu de temps. Boulot et écriture le reste du temps, donc je dois faire des journées de 20 heures et des nuits de 4 heures.
Et puis c'est vrai que, quelque part, depuis que le tome 1 a été annoncé en sortie, tu dors quand même plus. Aussi parce que t'as fini d'écrire le tome 3, j'imagine. Mais vu que je me mets... Mais maintenant, vu qu'il y a aussi, du coup, le contre-coup des corrections, c'est reparti oui, pour... Oui, parce que là, on court un peu pour que tout sorte dans les dates qui sont prévues au départ. Donc, il y a la réécriture. C'est très, très long, en fait. J'envoie mon livre. C'est relu par une jeune femme qui s'appelle... une jeune femme... Coucou Pauline, si tu es là. Ou si tu vois cette vidéo plus tard. Merci beaucoup, qui passe beaucoup de temps pour relire les petits bessards, les petites virgules en trop, les petits machins. Parce que personne, l'orthographe, clairement, c'est pas mon truc, raconter des histoires. Oui, mais mon orthographe est absolument déplorable. Qui fait un premier passage, qui me renvoie pour vérifier qu'elle a pas fait de bêtises, parce qu'elle peut avoir fait des contresens, ce qui a été le cas, parce que mon histoire est un petit peu vicieuse, j'ai envie de dire. Des petits pièges un peu partout. Après, ça part chez une relectrice, la relectrice corrige, on me renvoie le truc. Après, ça part chez les maquettistes, quelque part, pour fabriquer un petit peu, si vous voulez, la mise en page. Après, ça repart chez la relectrice, et après, ça me revient. Et après, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est très, très long, tous ces échanges. Et à chaque fois, il faut que je relise l'intégralité du livre. Je vous rappelle que c'est un pavé. Voilà. Donc, c'est très, très long. Voilà. J'ai vu une question intéressante. Pour le premier roman, as-tu reçu une avance? Et en tant qu'autrice, y a-t-il des mythes du monde de l'édition que tu voudrais débunker? Oui, j'ai reçu une avance sur mes droits d'auteur. C'est pas énorme, hein, mais c'est une avance. Une avance. C'est déjà très bien. Méfiez-vous des maisons d'édition. Voilà. Il y a de tout dans le monde de l'édition. Si la personne, déjà, ne vous verse pas une petite avance sur vos droits d'auteur, fuyez. Ce n'est pas sérieux. Voilà. C'est malheureusement un truc, parce que ça veut dire que derrière, il n'y a aucune trésorerie, et que du coup, vos livres vont être publiés au compte-gouttes. Donc, à ce moment-là, vous gagnerez plus d'argent à faire de l'auto-édition. Et vous le diffuserez vachement plus à faire de l'auto-édition. Pour le coup, c'est vrai que ta maison d'édition est quand même super clean là-dessus. Super clean, super sérieux. Mmh. Et non, ils sont bien et je les sens vraiment à l'écoute de leur auteur. Donc, si vous avez quelque chose de bon, si vous avez quelque chose qui vous plaît, si vous avez quelque chose que vous avez envie de diffuser, Nisha, etc., ils sont très bien. Ouais, bah oui. Franchement, moi, je suis très contente que Brajlon finalement m'ait dit non. Même si c'est plus gros, même si clairement il y aurait eu sans doute plus de pubs, sans doute plus de machins. Et bah peut-être que ça aurait été moins humain. Et peut-être que Brajlon aurait peut-être voulu mettre un peu plus sa tambouille dans ma tambouille. Sans doute. Et ça n'aurait peut-être plus ressemblé à ce que j'avais fait. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça se passe super bien. Non, super bien. Je suis un vrai bonheur, cette maison d'édition. Vas-y, vas-y. Ben, je t'en prie. Écoute, j'ai eu plusieurs fois envie d'écrire un livre. J'en ai écrit plusieurs, mais la peur du refus m'empêche d'aller plus loin. Du coup, je te tire mon chapeau pour avoir fait le pas. Bon, ben, c'est gentil. Mais... fonce, le refus c'est pas grave, un non c'est rien. Je sais plus quel auteur faisait ce truc absolument génial, qui avait reçu énormément de refus. J'ai honte parce que je crois que c'est un très très grand auteur. Qui avait toutes ses lettres de refus accrochées sur un clou. Et il les clouait, et en fait un jour il a dû prendre un plus gros clou. Je sais même plus qui c'est, si quelqu'un connaît cette anecdote, je sais plus qui est cet auteur, j'ai honte d'avoir oublié. Et en fait, au bout d'un moment il était obligé de changer de clou tellement il a eu des noms, mais aujourd'hui c'est un des plus... Je crois que non, mais c'est Stephen King. C'est Stephen King, qui avait reçu un nombre de noms absolument délirants. Moi, j'aime pas sa littérature. Mais il y a plein de gens qui adorent, et ce mec-là, on le sait, aujourd'hui, c'est un pilier, quelque part, de la littérature. Et il avait, dans sa chambre, un clou, un petit clou, où il avait mis toutes les lettres de refus. Et un jour, il y a eu tellement de lettres de refus qu'il avait eu besoin d'un très très gros clou. Il y avait un très très gros clou de charpentier. Et ça a quand même marché. Donc, voilà. Fonce. J'aurais vu quelques questions qui étaient intéressantes. Vas-y, allez, je t'en prie. L'éditeur éditrice a-t-il influencé ton histoire un petit peu par des corrections ou je ne sais quoi? Non, absolument pas. Absolument pas. Ils ont absolument pas touché à l'essence ni au style d'écriture quelque part. Ils me proposent des trucs, je peux accepter, refuser. Mais ils font très 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 attention à pas abîmer mon style d'écriture. Voilà. Ouais, c'est pour le coup. Voilà, non vraiment, c'est super. L'écriture étant finie, comptez-vous faire plus souvent des formats de supérieurs à 15 minutes? Alors, on ne se fixe pas d'objectifs comme ça, ça dépend des sujets. C'est-à-dire que parfois, on va lancer un sujet, il va faire plus de 15 minutes, très bien. S'il en fait moins, bah tant pis. Et puis voilà, on n'a pas d'objectif et on ne s'est pas freiné sur les sujets par rapport à l'écriture de Marie-Madeleine, parce que bah, typiquement, les Émis et les Sorcières de Salem sont sortis pendant l'écriture des romans. Donc, deux vidéos de 40 minutes pendant qu'elle écrivait ses bouquins, je peux vous dire que
Ça a été compliqué, mais pourtant, on a réussi à le faire. Donc non, il n'y aura pas forcément plus de vidéos supérieures à 15 minutes. Il n'y en aura pas moins. Ça dépend toujours des sujets. Nous, on n'a pas d'objectif de... J'étais tellement fatiguée, tu te souviens, je faisais des malaises, rigolais pas. Minutage. Je dormais tellement plus pendant cette période que je tombais dans les vapes, en fait, d'épuisement. Donc c'est prévu. Mais là, le problème, c'est l'ordi qui suit plus, quoi. Là, c'est plus ça. D'ailleurs, pour l'instant... Ouais, il chauffe pas trop, ça va. Ça va, le live, il gère. Après, on a mis le ventilo et de la glace autour de l'ordi dire quoi qu'il crame. C'est flippant ou pas? Qui de vous deux joue le plus aux jeux vidéo? Franchement, c'est assez... Non, c'est kiff kiff. En fait, vu qu'on joue la plupart du temps ensemble, même si c'est pas des jeux forcément en multijoueur, mais en général, on est plutôt à deux sur le jeu, quoi. Vas-y, je t'en prie. Es-tu dyslexique? Non, mais je suis dyscalculique. Ouais. Pour une fille de prof de maths, ça craint. L'ordi qui fait des malaises, exactement, c'est ça. Mais si tu refuses de suivre les suggestions de la maison d'édition, ils peuvent ne plus vouloir publier ton livre. Non, parce que dites-vous que votre maison d'édition, elle a reçu votre manuscrit et elle veut le signer. C'est que l'histoire lui plaît, c'est que ce que vous faites lui plaît. Vous avez le droit de refuser. Après, quand il y a une grosse erreur de français, une grosse faute de français, bah, il faut corriger, c'est évident. Mais au pire, je m'étais dit, s'ils veulent modifier tout machin, tant pis, je publierai pas avec eux parce que mon histoire m'appartient et je préfère qu'elle soit jamais publiée plutôt qu'elle soit abîmée. Et eux, ils ont été super, super cool là-dessus. Vraiment, j'ai été étonnée. Je vous avoue que je m'attendais à un monde un petit peu plus... Alors qu'en fait, pas du tout, ils sont adorables. Et puis, de toute façon, avant qu'il y ait le moment de la relecture et l'envoi à la correctrice, parce que pour le coup, t'as une correctrice... Le contrat était déjà signé. Oui, en plus. Donc, en fait, même si d'un coup, tu refuses d'enlever un passage de ton livre et que l'éditeur dit « bah c'est bon, on met un terme au contrat », si le contrat a été signé, tu peux te retourner contre lui. Donc, c'est plus dangereux pour lui que pour toi. Oui, et puis dites-vous que vraiment, l'éditeur, si au départ, il veut votre livre, et que c'est quelqu'un de sérieux, hein, je parle bien d'une maison d'édition un peu sérieuse, s'il veut votre livre, c'est pas par hasard. Ils en refusent plein des manuscrits. Ça veut dire que ce que vous faites lui plaît. Ou en tout cas, est intéressant pour sa ligne éditoriale. Exact. Ouais. Novella qui demande s'il y a une cagnotte pour l'ordi. Oui, il y en a une. Ah, le lien, peut-être qu'il est dans la description du live. Au pire, il est dans la description des vidéos culture classique. On le remet à chaque fois. On est pour l'instant vraiment, on n'est pas aux pièces. On n'a pas insisté ni quoi que ce soit parce que l'ordi fonctionne encore. Même si là, voilà, ces derniers temps, on a eu un peu peur et on a dû finir le dernier Curiosity sur l'ordi d'un pote que je remercie encore d'ailleurs. Oui, le lien est accessible. Je crois qu'il plaît peut-être en description du live, mais je suis pas sûr. Voilà. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais il reste un peu moins de 1000 euros, je crois. C'est une bonne situation romancière. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Voilà. Désolé. Voilà, le Roi-Lotte confirme qu'il est tout en bas de la description. Ouais. La maison d'édition a le livre depuis combien de temps? Demande Belludina. Février, un petit peu avant février. Janvier. Ce qui est ouf, c'est que j'ai envoyé le livre en janvier, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Oui, et on a eu la réponse en février, j'avais envoyé que le 1 et ils m'ont dit on prend les 3. Ils ont confirmé. Tu m'as annoncé ça le jour où on a eu la prévision pour l'adoption de. C'est une histoire rigolote, si tu veux la raconter, vas-y. C'était le jour où l'association, donc la BAB, la brigade animale bénévole, venait en fait, avait envoyé un bénévole pour visiter chez nous, pour vérifier si tout était bien adapté pour recevoir petite bébé Lucie. Que vous connaissez bien maintenant. Et donc, la dame est venue visiter et je vois un mail de réponse de l'éditeur sur mon portable. Puis je regarde pas, parce que moi, de toute façon, je m'en fous ce jour-là. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma Lulu. Il n'y avait pas plus important que ma Lucie. Je voulais cette petite chose, j'en étais tombée tellement amoureuse. Il y avait la place, on voulait une dater. On a fait attention, elle a tout vu. Est-ce qu'on lui a montré tous les détails? Et la clôture du jardin, qui fait 2 mètres de haut, bien sûr qu'elle est suffisamment haute, mais bon, vous savez, sur le coup, on est un petit peu. Et puis, en fait, il me répond pas. Je fais « Oh, t'es là ?» Et il me fait « Meuf. » Ouais, je te fais « Meuf. » T'es édité. Donc, j'ai pleuré. T'as pleuré. Et après, j'ai mis un mois à m'en remettre. Ouais, Flo, ouais. On partait en Savoie, justement, avec Flo, 2-3 jours après, même pas. Enfin, c'était très court. Et on part avec Flo. Et puis, en fait, leur grand jeu sur la route, c'était de me dire « Meuf, tu vas être édité. » En fait, ça me faisait quasiment perdre... ça me tombait dessus comme une grosse pierre, voilà. Bug ordi. Ouais, c'est possible. Bon. Ah. Dites-nous quand vous nous entendez.
Ouais, non, mais je crois qu'il y a une personne, mais je sais pas si... Ah, ça va peut-être lâcher. Pitié, tiens le chat, mon petit. C'est bon, tout le monde nous en live ou toujours pas? On a ça a craché, on Dites-nous sait pas. Dites-nous si vous nous voyez. Ouais, Olivier qui dit qu'il faut rafraîchir la vidéo. Ensuite, ah, j'ai vu quelques questions. Quelqu'un qui te félicite pour la table basse. Parce que... Ah, ma table basse. Alors, c'est de la récupération. Oui, moins de déchets, bon point, moins de déchets. C'est bien de faire de la seconde main. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas tous les mêmes meubles que tout le monde. Et puis, on fait moins de déchets parce qu'on recycle et on fabrique moins. C'est bien. Et puis, c'est rigolo à faire. Mais, ouais, il y avait bien eu un petit bug, apparemment. Bon, c'est peut-être l'antenne Wi-Fi qui est un peu... Attends, je vais tester. Je vais peut-être changer le... Ah, une tartiflette We Trust. Oui. je prends deux secondes, je vais changer le pain de glace, du coup. Hein. Désolé. Voilà, hein, vous savez tout, c'est le live. Non, mais je vous assure, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Enfin bon, c'est comme ça, écoutez, on le sauvegarde. Ça monte les pains de glace. Ouais, on a acheté ça exprès, quand même. Ah, c'est... pour soutenir l'ordi, ça craint ou pas? Tiens, je vais le poser derrière. Parce qu'il doit avoir chaud, petit père, là. Je vais remettre l'autre... Ouais, mais remets l'autre dedans, ouais. Bref. Vas-y, t'as d'autres questions? Est-ce que ça coûte de l'argent d'éditer? Si tu es édité par une maison d'édition, ça ne te coûte rien. Si une maison d'édition dit qu'elle t'édite à compte d'éditeur, mais qu'elle te demande de la thune, c'est une arnaque. N'y va pas. Si tu veux, si ça doit te coûter de l'argent, il vaut mieux que tu te fasses auto-éditer. Voilà. Sinon, c'est la maison d'édition qui se fait de la thune. Oh, bébé, Lulu. T'as mon petit chou, mon petit bébé chou. Voilà. Alors, c'est pas une horloge qu'il y a derrière moi. C'est pas du tout une horloge, c'est un bouclier viking qui nous a été offert. Ouais, par un artiste, un artisan suisse, l'atelier du Corrigan, qui tout a un talent incroyable. C'est absolument magnifique. J'ai vu aussi le prochain Curiosity, j'ai vu passer la question, je sais même plus si elle est en live là tout de suite. Le prochain Curiosity, on sait pas encore. Parce qu'on ne sait pas encore si on va avoir le temps de faire un Curiosity avant nos vacances officielles qu'on posera là pendant l'été ou pas. Voilà. Donc, Oui, c'est nous qui avons choisi le prénom de Lucie parce qu'au départ, cette petite demoiselle s'appelait Opal. Et Opal, c'était le nom de mon premier chat, donc c'était un petit peu bizarre pour moi. Donc, Madame Lucie, en référence à deux choses. Lucie de Fairy Tail, la constellationniste. Voilà. Et puis... Lucie de... Oui, il y a trois choses en fait. Ouais. Merde, comment ça s'appelle ? Désenchantée. Lucie de Désenchantée, et puis, qui est quelque part la même référence à Lucie de Lucifer. Et je vous assure qu'on en a eu des chiens qui sont passés ici, mais elle est créative. Vous imaginez pas, on a déjà changé trois meubles dans la maison. ouais. Obligé de changer notre meuble à chaussures, qui était un meuble que j'avais fabriqué en palette, qui n'avait pas de porte, et madame a déchiqueté trois paires de chaussures, n'est-ce pas, petite chose? Donc voilà. J'ai perdu mes tongs à cause d'elle. Voilà, il faut pas laisser Lucifer. Exactement, on l'a dit plusieurs fois, ça, ouais. Où peut-on acheter le t-shirt Culture? Alors, normalement, tu as un lien déjà au-dessus du live, tout en haut du live. Et sinon, on a une boutique sur Tostadora. Pareil, tous les liens sont dans la description. Et j'ai vu une question qui est revenue beaucoup de fois. Est-ce que tu penses que tes personnages sont trop dangereux pour vivre dans notre monde? J'ai résumé un peu la question, mais je crois que c'était ça. Non, puisqu'ils y vivent. Ah ah. Voilà. Des tongs fluo. Ah, mon papa il dit Opal, Bouddha parmi les chats. Et c'est vrai, mon premier chat c'était le Bouddha des chats. Il était d'une sagesse et d'une paix incroyable. Est-ce qu'il y a de la romance dans mon livre? Ouh, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça dépend de ce que tu vas entendre par romance. Si tu... Je vais être un peu dur, hein, je suis désolée. Si tu t'attends à quelque chose en mode amour cucu, non. Genre vraiment pas. C'est assez moderne sur l'amour, mais c'est pas romantique. Ou en tout cas, c'est pas romantique comme la plupart des gens entendent l'idée du romantisme. Les roses, les je t'aime d'amour, les mon petit chou, les petits cœurs, les bidules, il n'y a pas de place pour ça dans mon bouquin. Et je vais vous lâcher un truc comme ça, il n'y a pas de place pour ça en temps de guerre. C'est tout. Voilà. Quand le livre aborde la magie. Ça dépend de la définition que tu as de magie, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu vas faire une version bande dessinée des livres? On a déjà répondu quelque part. Oui, mais bon. Quelqu'un qui reprécise, en fait, quand je veux dire dans notre monde, je veux dire dans la société d'aujourd'hui, parce qu'il vit dans un monde très bas. Oui, il pourrait. Ouais, pourrait. Excusez-nous, c'est les voisins qui font la fête, il y a l'anniversaire de leur petit chou en face, là, et c'est la grosse fiesta. Si vous entendez gueuler, c'est normal, c'est le petit cœur qui fête son anniversaire.
Non, pas une romance Buffy Angel. Ah non, 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 ça c'est mignon kawaii. Non, 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 non. Un peu plus trash, un peu plus... un peu plus hard. Voilà, hard c'est bien. Est-ce que vous reviendrez au bal des sorciers 2021? Non. Non, sûrement. Je pense pas, vraiment. Ça a été... les organisateurs sont des pures crèmes. Ça, on va le dire. Les organisateurs sont des crèmes, sont des passionnés. Vraiment. Mais nous, l'expérience s'est vraiment pas bien passée. Voilà. Ouais. Entre les vols qu'on a eus, malheureusement, dans notre sac, entre ma baguette et de l'argent. La baguette a été retrouvée. La baguette a été retrouvée, mais l'argent qui était dans mon sac, pas du tout. Voilà, ça s'est vraiment pas bien déroulé. En plus, on était dans une salle où on avait excessivement froid. On nous avait prévenu qu'il faisait froid, mais on ne s'attendait pas à avoir une salle inférieure à zéro. C'était plus pour les gens qui étaient venus nous voir que c'était gênant pour nous, parce que nous, on était debout et on marchait au final. Oui, oui, mais c'était, voilà. Mais non, sans doute pas. Ah, si vous voulez avoir... Je veux cette question. Bah, vas-y. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel voudriez-vous? Moi, je voudrais le pouvoir de tout remplir. Ah oui, c'est vrai. Ça fait des années que je dis ça et que les gens me prennent pour une conne. Mais je vous jure, c'est génial. Je pourrais remplir mon verre de vin, mon compte en banque. Je pourrais remplir les boîtes cadeaux. Je pourrais remplir la casserole. Je pourrais remplir les placards. Je pourrais remplir les réserves de grains dans le monde. Je pourrais remplir les croquettes dans les refuges. Le pouvoir de tout remplir. Ce que je... Et toi? Et moi, ce serait plus le pouvoir d'arrêter le temps, en fait, tout simplement. Tu te rends compte du bordel que tu foutrais au niveau de la quantique, de la physique quantique? Mais ouais, mais c'est parfait, j'adore. Je sais que c'est impossible, mais c'est canon. quel film entre Alien ou Predator? Alien pour moi. Alien parce que je n'ai, mais c'est tout. Pas le premier, mais oui. Il y a eu je n'ai dans les réalités. Juste parce que je n'ai, en fait. Vous seriez dans quelle maison à Poudlard? Quel est votre patronus selon vous? Alors, moi, c'est sûr que je serais Serpentard, il y a peu de doute. Bah, moi, quand je fais les tests, je suis une. Ça craint, je suis une Gryffondor, mais je sais pas. De cœur, moi, je me retrouve chez les Poufsouffles. Et pour ce qui est du patronus, je pense que j'aurais un hérisson. Un petit patronus bien, bien piquant. Une blatte. Une blatte? J'en sais rien, en fait. J'en sais rien du tout. Est-ce que vous ferez des conventions comme au Art to Play à Nantes? Car j'aimerais tellement vous voir. Alors, le Art to Play nous a jamais contacté pour le coup. Donc, on sait pas. Peut-être qu'on ira au Art to Play si on est invité. Généralement, on refuse pas de convention, sauf si on a déjà une autre convention de prévue. Mais encore une fois, on le répète souvent, mais n'hésitez pas, vous, à laisser des messages aux organisateurs, que ce soit par leur site ou sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand vous voulez voir quelqu'un, donc en l'occurrence, bah, là, on parle de nous. Donc, si vous voulez qu'on vienne à une convention, à un endroit, n'hésitez pas à dire aux organisateurs qui vous voulez voir, parce que même eux sont souvent en attente de nouveaux noms, parce qu'ils peuvent pas avoir tout le temps l'œil sur YouTube et compagnie. Donc n'hésitez pas, s'il y a un endroit où vous allez régulièrement et qu'on n'a jamais été invité, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas demander, quoi. C'est ça. C'est moins bien depuis que madame a pris le contrôle de ma chaîne. Alors mon petit... Attends, chat, c'est où ça? C'est là, c'est Woody521. Tu y vas ou je le fais? Bah, j'y vais. Allez, vas-y, donne-moi mon bébé d'amour. Premièrement, donc, la chaîne a été créée à deux, et ce, depuis le début. Si vous repartez depuis la toute première vidéo, le nom de Marie-Madeleine est déjà au générique. On écrit les épisodes ensemble depuis le début, et en fait, Marie-Madeleine a été annoncée en arrivant sur la chaîne. Donc, si tu ne suis pas la chaîne régulièrement, c'est sûr que tu l'as vu débarquer, mais ça, c'est pas notre problème. À côté de ça, elle n'a pas pris le contrôle, puisqu'elle est déjà aux manettes depuis le début, avec moi, voilà. Désolée. On est déjà ensemble depuis le début. Le fait qu'elle soit arrivée après est un choix, et d'ailleurs c'est un choix de madame, puisqu'elle a été très maline et m'a dit que si on lançait une chaîne et qu'il y avait un visage féminin depuis le début, elle serait moins suivie, et la preuve c'est que il y a encore des gens... Apparemment tu dois être un gros sexiste pour te sentir un petit peu chamboulé de voir une paire de nichons à l'écran, mon petit lapin. Donc si t'es pas content, tu prends tes clics, tes claques et tu dégages, et puis c'est tout. Allez, voilà. Bouge gamin, t'y connais rien. Donc il y a pas la... en vrai la chaîne n'a pas changé, si ce n'est en effet la formation des vidéos, mais en soi elle reste la même, c'est juste que nous sommes deux à les présenter. Je me suis un peu mise en colère, mais en fait ça commence, les autres, voilà, tous ceux qui voient pas le problème et tout, je vous attaque pas, hein, vous êtes des petits chats mignons, mais je perds un peu le contrôle parce que j'en ai ras-le-bol. Les insultes, c'est un peu en continu, quoi. C'est en continu, c'est tous les jours que je reçois des insultes sur la chaîne, et ça commence à me gonfler, parce que vous êtes bien tranquille derrière votre écran, mais je vous encourage, vous qui n'êtes pas content, à venir nous voir en convention, et à venir me dire les yeux dans les yeux que vous n'êtes pas content, que je pris le contrôle de la chaîne, ou je ne sais pas quoi, que cet homme est très très malheureux, oh là là, et qu'il est massacré, et que je lui broie les couilles, oulala. Mais je vous en prie, venez me voir, on va bien rigoler deux minutes, en fait.
à la santé des autres. Voilà. Je vous aime. C'est dit. Est-ce que tu lisais des romans pendant que t'écrivais ? Est-ce que ça, ou t'avais peur que ça t'influence ? Non, je lisais. Je lisais parce que je peux pas m'en empêcher, en fait. Je peux pas m'en empêcher. C'est grâce à mon papa et ma maman. Merci papa et maman, s'ils sont encore là, mais je pense qu'ils sont encore là, puisqu'ils sont choupinous. Mon papa et ma maman m'ont mis dans les livres depuis toute petite. Et en fait, si j'ai pas ma dose de lecture, je suis pas bien. Voilà. C'est tout. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que... J'arrive et ça parle mal. Moi, je viens dans la convention te dire droit dans les yeux que je suis bien content. Merci, petit chat. Ton père qui dit ne parlez pas aux cons, cela les enrichit. Mais mon papa. Ouais, mais ça leur rabasse leur cacao. Ça me fait du bien aussi. Ils me tapent dessus tout le temps alors que je peux pas les, contacter. Si je peux, là, j'en ai un juste en face, ça fait plaisir. Voilà, beaucoup de gens qui disent que la chaîne est mieux depuis que t'es là. Non, en fait, je suis là depuis le début, c'est ça qui est un peu trissouille. Mais c'est vrai que. Oui, c'est sûr. Visuellement, on va dire que t'es, depuis que t'es là, voilà, c'est visuellement. Ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment un choix parce que malheureusement, le monde de YouTube reste pas sexiste. C'est pas le bon mot. Il reste à domination masculine pour l'instant. Et c'est plus facile de lancer une chaîne si la figure principale est un homme. Ouais, voilà. Et vous avez des chaînes fabuleuses tenues par des femmes, genre Bonnes Archéologie, qui est excessivement riche d'informations. C'est une autre histoire ? C'est une autre histoire. Voilà. Qui sont des chaînes très très riches d'informations et qui malheureusement... Fais gaffe Flo, tu vas être ban. et qui malheureusement n'ont pas la visibilité qu'elles devraient avoir parce que ce sont des femmes et qu'on a moins l'habitude qu'une femme nous apprenne des choses. C'est aussi une habitude sociétale. Hein. Les gens qui ont du mal à accrocher ne sont pas forcément à blâmer non plus, parce que malheureusement, à la télé, depuis toujours, on nous pose en présentateur des JT, des trucs comme ça, des chaînes d'information. Oui, et puis quand il y a une femme, généralement, elle sert de plante. C'est ça. Je pense là comme ça, forcément, la roue de la fortune, où clairement, la nana qui est là, elle sert de plante depuis que ça a été créé, je crois. Mais c'est trop mieux. Marie-Madeleine qui recadre un imbécile avec la puissance d'un raz-de-marée et la fumée d'un scalpel. Merci mon lapin, c'est un joli compliment. Mais voilà, sauf pour la météo, effectivement. Et en fait, c'est surtout parce que notre esprit est habitué à entendre majoritairement des voix masculines, avoir des visages majoritairement masculins. Ça va prendre du temps pour que ça s'impose. Mais parfois, c'est surtout un manque d'habitude, malheureusement. Bon, après, je dis pas, j'ai eu le droit à retourner dans ta cuisine... tu ferais mieux de te mettre à quatre pattes et d'ouvrir la bouche. Enfin, des trucs, mais je vous imagine même pas à quel point ça peut être sale. Vous savez qu'on a des mots qui sont bloqués, nous, pour même pas qu'on voit les commentaires, en fait. Ah oui, on a bloqué des mots. On a bloqué des mots tellement ça devenait épouvantable. La sang. Bon, allez, parlons d'autre chose que des j'ai vu sur ma mèche. Alors, pour répondre encore une énième fois sur ma mèche, c'est pas une référence à Berserk ou le fait de vouloir ressembler à Guts. Mais en fait, c'est juste, voilà, c'est mes cheveux, hein, c'est mes vrais cheveux, il n'y a pas de couleur, machin. C'est génétique, c'est tout. Il n'y a pas de rite bizarre derrière, il n'y a pas de message caché. Non, c'est la génétique. Oui, c'est... Moi, depuis que je le connais, il a toujours eu des cheveux blancs, en fait. Et puis, on se connaît depuis nos 20 ans. Moi, j'avais 20 ans. Et j'avais déjà des cheveux blancs. Et t'avais déjà des cheveux blancs. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnages transgenres dans tes romans ? Alors, il n'y en a... Adrien Roulette, qu'on salue, bien sûr. Salut, Adrien. J'adore Adrien, c'est un amour. Alors, il n'y a pas de personnages transgenres. Mais il est bien stipulé qu'il y en a. C'est-à-dire que je n'ai pas mis une torche braquée dessus, tout simplement parce que je ne suis pas transgenre et que j'avais très très peur de faire un écart, de faire une bêtise, de pas bien m'exprimer et d'abîmer en fait... Je voulais pas revendiquer quelque chose qui ne m'appartenait pas en fait. J'avais peur de pas être capable de me projeter dans ce que devait ressentir une personne transgenre et en plus dans le monde que j'ai décrit, une personne transgenre ne va pas subir... de rejet, de classification finalement. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais mon monde, en tout cas la société que j'ai créée dans ce monde, la personne transgenre est une norme au même terme que la personne qui n'est pas la personne cisgenre en fait. Voilà. J'ai pu parler de l'homosexualité parce que je suis pan, mais je n'ai pas pu parler du transgenre parce que je ne le suis pas. Mais je laisse cette possibilité et je ne veux surtout pas, en fait, faire d'impair et de bêtises. Voilà. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Avec mes élèves, notamment mes élèves il y a un an, il y en avait des élèves transgenres avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc, j'ai compris pas mal de choses. Mais de là à pouvoir le raconter, j'avais vraiment peur de faire une grosse bêtise. Voilà.
c'est bien dit. On pense quoi des propos de J.K. Rowling ? Ben, que ce sont des propos épouvantables. Et que, heureusement, Daniel Radcliffe, l'acteur, a été là derrière. Il n'y a pas, que Daniel Radcliffe qui a, répondu. Oui, Emma Watson, j'ai cru. Emma Watson, tout à fait. Oui, après, ça ne m'étonne pas de la demoiselle aussi. Hein, j'ai pas son nom, mais je crois que l'actrice qui fait Luna Lovegood a aussi parlé de ses propos. Non, les propos sont caca. Pour rester poli, c'est... Non, c'était pas du tout... Enfin, derrière, elle a dit qu'elle s'était mal exprimée, tout ça, mais... Dans ce cas-là, ferme-la, en fait. Genre, évite de dire des conneries. Oui, c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de remarques. En fait, c'est quelqu'un qui est incapable de se projeter au-delà de sa perception des choses et qui, du coup, n'arrive pas à se dire que ce qu'elle définit comme étant ceci ou comme étant cela n'est peut-être pas ce qu'il faut être. Les mots existent comme on les définit. Hein. Vous savez, le bien, le mal, c'est tout pareil. Oui, c'est ça. Définir un homme et une femme, c'est une question de définition. Et en fait, avant tout, c'est une question de... ressenti. Voilà. Je défends beaucoup ça. Et effectivement, dire qu'il y a des hommes qui ont leurs règles, oui, c'est un fait. Il y a des hommes qui ont leurs règles. À partir du moment où tu es... Et après, on a un problème en français, parce que on peut être un homme, on peut naître homme en ayant un ADN XX, en fait. Et ce serait sympa de pouvoir différencier mâle, femelle, homme et femme. Et peut-être que comme ça, on aurait moins d'embrouilles, je pense. On avait parlé avec mes élèves l'année dernière. Et c'est vrai que c'était assez pour dire « je suis un homme avec des chromosomes femelles ». Et c'est tout. Et du coup, cet homme-là, vu qu'il a ses chromosomes femelles et qu'il a sa constitution, il a ses règles, tout en étant un homme. C'est tout. Et ça, J.K. Rowling, elle n'arrive pas. Voilà, c'est, tout est d'une question de définition, de toute façon. Et puis, voilà. C'est... De façon, vous commencez à nous connaître hein, là-dessus. Je ne crois pas qu'on soit... réfractaire à quoi que ce soit ou angoissé par quoi que ce soit, on part du principe qu'il faut que les gens soient bien dans leur peau, bien dans leur tête, et à partir de là, du moment qu'ils font de mal à personne, on est prêt à tout accepter et au contraire à tout comprendre et à être intéressé par tout, parce que tout est intéressant et que toute différence est intéressante et enrichissante. Dans tes romans, est-ce que du coup toutes les étiquettes et les cases où l'on aime bien mettre les gens ont volé en éclats pour plus de liberté et de naturel, qu'ils soient bons ou mauvais? Oui, tout a volé en éclats et je les dénonce sur toutes ces cases parce que je ne les aime pas et que je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Je me dis pan parce qu'il faut une case et qu'ils aiment bien les petites cases, mais finalement... C'est dommage les petites cases parce que ça pose beaucoup de problèmes, moi je trouve. Enfin, même au final, même dans la communauté LGBT, il y a tellement de sous-cases et je peux le voir parce que... Parce qu'on a des amis sur Twitter qui le revendiquent, parce qu'on a un ami très proche aussi qui le dit, et même chez les gays, il y a tellement de petites cases qui se font la gueule entre eux. Je comprends pas ce concept, en fait. C'est juste un choix. Pourquoi vouloir forcément se mettre des étiquettes ? C'est dommage et c'est chiant. Donc oui, heureusement, dans ton livre, tu fais un peu péter tout ça. Et dans cette autre... société, on peut dire. Oui, société, c'est dans bien. Dans cette autre société, il y a vraiment une autre réflexion et qui est bonne ou mauvaise. On ne peut pas le définir parce qu'encore une fois, c'est compliqué, ça va dépendre de votre point de vue. Mais au moins, il y a une certaine réflexion. En tout cas, je ne vais pas me faire que des copains. C'est sûr. Je ne vais pas me faire que des copains avec ce bouquin parce que derrière l'histoire principale, derrière l'intrigue, de temps en temps, vous allez avoir des petites... je sais pas, des petits fils qui sont là pour vous rappeler un fait de société que vous pouvez vivre au quotidien et mettre un peu le doigt sur ce qui pose problème et essayer de remettre un petit peu tout ça en question et un petit peu en cause. Voilà. Voilà. Ben voilà, on est-ce que c'est bon l'urine de dragon ? Bah, nous, on n'en boit pas, Quetzalt, mais à toi de nous dire. L'urine de dragon... Je sais pas pourquoi je... C'est bizarre. Je sais pas. Aimons-nous, faisons l'amour, pas la guerre. Allez. Les capotes, ça coûte moins cher. Le livre de Marie-Madeleine, c'est Bambata Maxima. C'est Luciole, c'est ça ? Non, c'est qui ? LP880. Oh, j'ai proposé Luciole, en fait. Voilà. Quelqu'un qui a hâte de lire. Pas besoin de super pouvoir, t'as réussi à le remplir ton verre ? Oui. Oui, mais pas par la force de l'esprit. Pas par la force de l'esprit. Le point de vue du livre est plus interne, externe ou omniscient ? Omniscient. Oui. Complètement omniscient. Par contre, sachez que le livre est écrit au présent. Voilà. Souvent, vous avez des livres écrits au passé simple, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, parfait. Mais là, le livre est écrit au présent. Parce que je voulais que vous ayez l'impression de cheminer petit à petit. Est-ce que tu as déjà un autre projet littéraire en tête ? Oui.
dans le même monde, en tout cas. Ah, est-ce qu'il y a un événement déclencheur qui a fait naître ton histoire dans ta tête ? Il va falloir retourner 10 ans en arrière. Ah, c'est déjà exactement ce que je suis en train de faire, je suis en pleine plongée là. Oui. Oui, quelque part. Un mal-être, c'était au lycée. Donc, ça date pas d'hier. C'est un peu plus de 10 ans. Je pense que c'était un peu le mal-être un petit peu du lycée, parce que, donc dites-vous qu'aujourd'hui c'est déjà compliqué, alors imaginez à 10 ans ce quoi pouvait ressembler, hein, pour ceux qui savent, hein, qui ont notre âge, un lycée, c'est-à-dire que les élèves qui étaient, qu'on pourrait aujourd'hui caler en LGBT+, ne se retrouvaient pas, et c'était un petit peu compliqué, les élèves qui n'entraient pas dans les cases, on a grandi nous à l'époque où le style par exemple gothique était très rejeté, ouais. Voilà, donc même si j'ai pas forcément été dans toutes ces cases-là à ce moment-là, ou même tout court, je pense que c'est un profond mal-être avec une envie de créer un monde moins ennuyeux, moins dégueulasse, peut-être plus violent, mais moins dégueulasse, moins ennuyeux et plus proche de mes idéaux, je crois. J'ai eu besoin d'un refuge, en fait. Je voulais aussi répondre à cette question, parce que pour ceux qui sont là depuis le début du live, si vous vous rappelez, on a parlé d'un problème monomaniaque de Marie-Madeleine avec un certain livre. Ah non, voilà. Tu vas pas dire ça. Si, si, je vais le dire. Alors, pour ceux qui auront raté le début du live, ou qui viennent d'arriver, ou qui reviennent, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui revenaient, donc elle est un peu monomaniaque, elle lit et achète tous les Cyrano de Bergerac qui existent, et le vin qu'elle boit porte le nom et le visage de Cyrano. On va pas citer la marque exacte parce que c'est pas le propos, voilà, mais c'est assez marrant, elle boit du Cyrano. Mais voilà. Il est super bon, on demande à oui, Flo. Oui, non, mais il est bon, mais oui, bien sûr qu'il est bon, je dis pas le contraire, il est excellent, mais... Est-ce que ta boîte d'édition t'a imposé la représentation de la société, c'est-à-dire... Netflix, LGBT, etc., en toute sincérité. Pas du tout, parce qu'en fait, mon bouquin, je l'aurais donné, et il était déjà écrit. Personne ne m'a influencé sur mon écriture. Ce que vous allez lire, c'est mes idées, mes propos, mes valeurs. Clairement, hein. Les deux premiers étaient déjà écrits quand... En entier. En entier, quand tu as envoyé aux maisons d'édition le bouquin. Donc, il manquait quatre chapitres. Il n'y a pas d'influence tout de la part des éditeurs. Et il manquait quatre chapitres au troisième, et vu que de toute façon, ils étaient trop occupés à gérer le 1... J'ai fini d'écrire le 3 toute seule comme une grande. Non, personne n'a touché. Si je parle de ces trucs-là, c'est parce que c'est des choses que je vois au quotidien, notamment par des amis, des connaissances ou mes anciens élèves qui ont souffert de plein de choses, soit LGBT ou plein d'autres trucs, hein, la violence, le droit à l'avortement, plein de machins. Et j'avais besoin d'en parler parce que c'est des choses qui nous bouffent tous au quotidien, en fait, qu'on le veuille ou non. Voilà. Tiens, donne la bouteille, il y a une très bonne idée, on va cacher la marque. Je vais juste montrer la tête, enfin vas-y, montre-la. Tu montres la tête qu'il y a. Juste la tête, pas le nom. Ouais, vas-y. Voilà, la petite bouille de Cyrano. Voilà. Il y a quelqu'un apparemment qui boit la même chose. Il est trop bon. Il est trop bon. C'est pas Flo ? Parce qu'on voit avec non, Flo, non, en fait. Non, lui a confirmé que c'était bon. Eh, ça vous dirait pas un jour que Flo il soit avec nous en live ? Parce qu'en fait, vous le voyez, vous avez sa voix dans quelques vidéos. Il y a eu sa voix, il y a son nom au générique parce qu'il nous a prêté sa poupée vaudou. Il a été bêta-testeur sur le livre, il est bêta-testeur sur pas mal de vidéos, mine de rien. C'est mon meilleur ami d'enfance, c'est mon ex aussi, entre autres. C'est une pure crème. Est-ce qu'un jour vous seriez chaud, je sais pas, pour avoir Flo avec nous ? À chaque fois on dit Flo, mais personne ne le voit jamais. C'est une espèce de fantôme qui rôde au-dessus de la chaîne. Voilà. Dites-nous hein, si ça vous plairait de voir qui y a autour de nous qui influe aussi sur la chaîne. Carrément, ça pourrait le faire avec plaisir. Allez Flo, les gens t'attendent ! Mon petit cœur. Eh, hey, tiens, voilà, c'est une bonne question ça. Si tu pouvais décrire ton histoire en trois mots. Ah, c'est chaud, mais c'est rigolo. Oh, tout le monde est chaud pour Flo. Hein. Ouais, tout le monde est chaud pour Flo. Flo, tu vas pas pouvoir y manquer. Alors, mon livre en trois mots. Oh putain. Pardon pour le gros mot. Douleur. On dirait le truc sur les frontons des mérites. C'est douleur. Honneur, destin. Bah allez, Flo, je crois que t'as pas le choix. Ouais, prochain live, tu le feras avec nous. Pas le choix. Allez, prochain live, on ramène Flo. C'est fait, c'est joué. Bravo les loulous. Il a pas le choix, il peut pas dire non. Au pire, si au prochain live il est pas là, on vous donnera les liens vers ses réseaux sociaux, comme ça vous pourrez le pourrir. Voilà.
Bah oui, on aimerait bien que vous présentiez vos acolytes. Flo, il est avec nous. Et comment il dit, il devrait faire une... Une permanence chez nous. On a hésité à faire notre répondeur ensemble, en fait. C'est mon meilleur ami d'enfance, c'est... C'est la personne qui fait les voix off des histoires comme les corrigants. Non, bah non, cette personne-là, c'est Marie-Madeleine qui fait les voix off. C'est moi qui fais les voix off. En fait, une voix, ça se place. Et désolé, papa, je vais dire un truc que tu vas peut-être pas bien prendre, et je m'excuse, mais bon, c'est la vie. En fait, ça, c'est ma voix naturelle. C'est-à-dire que quand je parle, normalement, naturellement, je parle comme ça. Et un jour, mon papa, il m'a dit un truc, il s'en souvient peut-être pas, mais il m'a dit, tu as une voix de garçon. Et ça m'a fait très bizarre. Et du coup, j'ai appris à placer ma voix un petit peu plus haut. Mais en fait, au départ, je parle naturellement comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de placer ma voix beaucoup plus haut pour que ce soit plus normal. Mais ne jugez pas mon petit papa, il a sans doute dit ça comme ça en compliment. Parce que mon papa, je pense qu'au fond de lui, il voulait un petit garçon. Mais il a eu deux filles et des agités du bocal, parce que ma soeur, je vous assure que moi, je suis calme à côté, elle a une énergie débordante. Et en fait, c'est grâce à mon papa, quelque part aussi, que j'ai appris à placer ma voix différemment. Oui, bah oui. Et c'est lui qui m'a mise au théâtre et à l'écriture et tout ça, donc waouh! Mais t'inquiète, mon petit papa, au contraire, c'est ce que je suis en train de dire, je vois qu'il écrit au lavage, désolé. Et en fait, je vais le dire franchement. Finalement, c'était un exercice. Oui, et en fait, mon papa, c'est mon héros. Voilà, j'ai la chance d'avoir un papa et une maman qui sont ouverts sur tout. Vous entendez, on parlait LGBT tout à l'heure, droits de l'homme, droits des animaux. Mes parents, toi, tu peux en témoigner, ce sont des gens inspirants. Ce sont des gens merveilleux, ce sont des gens dont on peut être fier. Je sais que j'ai une chance folle, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais mes parents sont des bijoux, et même la chaîne, je pense. La chaîne n'existerait pas, en fait, sans eux, finalement. Voilà, très sincèrement. Et puis, c'est des gros soutiens à la chaîne. Et oui, mon Dieu, ce sont des soutiens incroyables. Mes dieux, les dieux, tout ce que tu veux, mes fesses, mes pieds, ou mon vin. Ah, mon vin. Ce sont des soutiens exceptionnels à la chaîne. Ils puent l'amour, comme dit Flo, et c'est vrai. Mes parents sont des merveilles. Donc, je les remercie. Et ils ont tous les produits dérivés. voilà, ensuite, j'avais vu d'autres questions. Mais... quelqu'un qui demandait, parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir eu en précommande le livre, donc ce qui demandait si c'était possible d'avoir d'autres dédicaces. Ah oui, on se croise, moi je dédicace quand tu veux en fait. Ça va me faire bizarre de dédicacer un livre, mais oui, avec gros plaisir. Oui, non, ce sera, je serai super émue, je vais être super gênée, vous ne vous moquez pas de moi, je vais être dans mes petits souliers, mais oui, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Parfait. Donc oui, comme on disait tout à l'heure, quand on est en convention, même si on est en convention... même si on est en convention pour Occulture, c'est pas dérangeant que vous veniez et que vous demandiez uniquement à Marie-Madeleine un autographe. Moi, ça me dérange pas du tout. Elle a écrit quand même trois bouquins, c'est quand même génial. Donc oui, n'hésitez pas, c'est pas un problème qu'on soit sous la bannière Occulture et que vous veniez pour le livre. Il y a aucun problème pour ça. Oui, puis en plus, tu l'as lu, du coup, tu pourras discuter avec les gens. Oui, bah ouais, moi, je suis partie, j'ai toutes les théories, j'aurais pas trop dire tout ça, mais bon. Mais les autographes, par exemple, ça nous fait bizarre tout le temps, en fait. Ah oui, bien sûr. Même quand on signe pour la chaîne, on est désolé d'ailleurs, pour ceux qui sont venus nous voir, si parfois on a pu être un peu mal à l'aise ou gêné. Moi, le truc qui me fait le plus bizarre, c'est quand même quand les gens me croisent sur Paris et qu'ils me reconnaissent, je sais pas où me foutre, parce que, depuis toujours, on est des gens lambda. Et d'un coup, quand tu marches dans la rue, il y a des gens qui t'arrêtent et qui te disent « Ouais, j'adore ce que tu fais !» Et en fait, peut-être qu'avec le temps, tu t'habitues ou quoi, mais à chaque fois, je sais pas comment réagir, je sais pas quelle gueule je dois faire, parce que c'est trop bizarre. Pas, on s'habituera jamais. Moi, j'ai dédicacé les sacs de mes élèves, parce qu'un jour, ils ont tilté, ils sont venus me voir, là. « Excuse-moi !» Ils m'appellent Natacha, du coup, ils avaient pas tilté avec le Marie-Madeleine tout de suite. En fait, ils étaient déjà abonnés à la chaîne depuis un moment. Puis à force, ils se sont dit « C'est bizarre, quand même. C'est toi, là. La Marie-Madeleine de la chaîne Occulture. Oui. Tu peux signer mon sac, hein, Kikidi? J'étais pas du tout à l'aise, j'avais pas quoi faire. C'était mes petits lapins qui venaient au soutien et tout, ils étaient trop mignons. Mais ouais, je savais pas où me foutre. Alors, y a-t-il possibilité de devenir bêta-testeur pour la chaîne? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de... Alors, on n'a pas d'alpha-testeur, c'est que nous. Ah si, il y a Flo. J'allais y venir. Flo, il a accès aux vidéos, mais même pas tout le temps. Des fois, j'oublie aussi d'envoyer les vidéos, Flo. Ça arrive. Mais en fait, les seuls moyens pour avoir les vidéos en avance, parce que
Parce qu'au final, c'est ça. On a plein de bêta-testeurs parce qu'on a une partie de notre communauté qui peut voir les vidéos en avance. Certains ont le droit de voir la vidéo 24 heures, enfin, de 24 à 8 heures à l'avance. Mais ça, c'est via notre Tipeee. Ouais. Et ceux qui ont participé à l'ordi ont accès aussi par mail. Ouais, ça directement. On va le garder un moment. Je pense qu'on va le garder jusqu'à la fin de l'année au moins facile. Ouais, facile même. Parce que là, c'est un gros merci. Parce que c'est le matériel qui nous manque. Parce que sur la chaîne, on a tout payé au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est caméra, micro, décor, machin. On a tout fait à nos frais. C'est ça. Pour travailler sur la chaîne, on prend des jours de travail. Du coup, c'est des jours où on ne travaille pas. Du coup, c'est des jours où on n'a pas de revenus. Du coup, c'est... pour l'instant, on est perdant, hein, clairement. Donc, on ne peut pas sortir. On a des gens qui nous disent « Ouais, mais combien vous touchez avec les vidéos ?» Les gars, c'est pas dingue. Hein. On est deux à bosser dessus. Et franchement, vous voyez le chiffre, vous auriez peur. C'est quasiment accessible, le chiffre, sur Internet. Oui, il y a des sites qui le font. C'est combien, de toute façon, c'est facile. On gagne moins de 1 000 euros par mois. Ah oui, à deux, on gagne moins de 1 000 euros par mois avec la chaîne. Non, mais enfin oui, ça génère moins de 1 000 euros. Bref, c'est pas ça la question. Et plus simplement, en fait, et petite référence, Emmanuel Legrand, bravo, excellent, le oui et non, ce qui est bien avec les opinions tranchées, c'est que ça marche déjà exactement. Belle référence. Belle référence. Et voilà, plus simplement, sinon, sur Utip, qui vous permet de nous aider sans mettre un seul sou, vous regardez juste des pubs et ça génère quelques centimes pour nous, au bout d'un moment, vous passez 1 euro. Et quand Brian Kruger, j'aime beaucoup. Et quand vous passez 1 euro, en fait, vous devenez Fire Tipper, et là, vous avez accès aux vidéos une heure avant qu'elles sortent. Voilà, donc, on n'a pas de bêta-testeur, mais c'est les deux solutions c'est pour avoir les vidéos en avance, c'est l'accès anticipé en nous aidant. Qui n'est pas un accès anticipé qui coûte la peau du huc, non, comme non, chez non, certains. Nous, 24 heures avant, c'est 10 euros sur Tipeee, je crois, oui, c'est ça. Ah, puis il y a pire. Oui, non, mais il y a d'autres, c'est encore autre chose, mais voilà. Voilà. C'est les seuls moyens d'avoir l'accès anticipé. Je suis désolé, c'était que ça. Mais en fait, il faut bien qu'on trouve des contreparties pour les gens qui filent un petit coup de main. Quoi. Donc, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui se sentent embêtés, mais accès anticipé de 24 heures, quoi. C'est pas, ou d'une heure, en fait, c'est pas énorme, finalement. Voilà. Yes. En plus, c'est trop mignon parce que les gens, la plupart du temps, font l'accès anticipé de 24 heures, la plupart, ils y vont pas. Ils y regardent pas. Ils regardent, mais après. Voilà. Je sais pas si ça a déjà été demandé, mais vous avez fait des études de quoi ? On a fait tous les deux S. On a fait tous les deux S pour le bac, et puis, moi, clairement, j'aurais dû faire L, mais sauf que je suis une quichasse en langue. Mais tu te fous de ma gueule avec la chanson de McFly et Carlito, parce oui, que oui, quand on s'est rencontrés, ouais. Je portais des mitaines, j'étais en sarouel. Ouais, t'avais un look de L. J'avais les cheveux toutes les couleurs très, très, très régulièrement, là, ça fait peu le temps que je suis repassée au brun, vous m'avez vu en bleu, normalement, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et quand je lui dis, j'ai fait quoi, t'as fait quoi? Il me fait, ah, c'était bien ton bac L. Non, moi j'ai fait S en fait. Il me fait, non, t'as pas fait S. Si, j'ai fait S. Et c'était pareil au lycée, mes élèves me disaient que j'avais fait L. Mais toi, t'es un pur S, un pur produit ah, de moi, S. Je suis un pur produit de S. J'ai jamais douté de, sur. Enfin, quel bâton BTS faire. Après, quand même. J'ai fait un BTS audiovisuel, qui est complètement bizarre pour un S, mais parce qu'au final, je sentais pas les études scientifiques longues. Moi, je fais candidat libre ma formation d'assistant de veto. Beaucoup. Mais bon, pour trouver un poste dans le coin, on est sur la région parisienne, laissez tomber, c'est complètement bouché, il n'y a pas de place. Quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on a acheté les éléments du décor. Alors, beaucoup sont de la seconde main, type Emmaüs ou brocante, parce que pareil, on essaye de faire le moins de déchets possible. Et les autres, c'est de la créa. Voilà. Si, les étagères, pour l'astuce, parce que j'en ai marre de voir des trucs hors de prix pour les gens. Vous savez, les étagères sont excessivement profondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le décor, mais elles sont très très profondes. C'est de la grosse étagère. Il y en a comme ça dans pas mal de magasins qui coûtent en moyenne 600 euros. Ce sont deux étagères basiques Ikea que j'ai mis, du coup, pas de face, mais de profil, dans lesquelles j'ai glissé des planches Castorama à 10 euros pièce. Donc on se retrouve avec un meuble à peu près à 50 euros, 50-60 euros au lieu de 600 euros. Voilà pour la petite technique. Et pour basculer sur une autre question qui est en rapport, on fera jamais d'épisode sur le décor. Saïla le fait, je crois. Je suis désolé. Saïla va commencer à le faire, ouais. D'ailleurs, en effet. Mais on fera pas un épisode spécial sur le décor parce que je vois pas l'intérêt. Stop. Marie Messilka. Moi aussi, j'étais en bio et moi aussi, je changeais de couleur toutes les 3 semaines. Pardon, c'est bon, désolé. Voilà, donc il n'y aura pas d'épisode sur le décor. Quand on fait les occultes trucs, généralement, on se débrouille pour parler d'un objet qu'on a dans le décor. Comme ça, en plus, vous le voyez d'un peu plus près. Et on en profite pour faire des plans qui montrent un peu plus le décor. Mais on fera pas de vidéo sur le décor, à la limite peut-être qu'un jour quand on fera une autre FAQ, on développera un petit peu plus ce qu'il y a dans le décor, mais on fera pas de vidéo sur le décor juste pour faire des vidéos sur le décor, il n'y a pas assez d'intérêt, si ce n'est les occultes trucs. Voilà. Oui, clairement.
Il y a ceux qui le truc font le job. C'est pas le but de la chaîne, en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. On aurait l'impression de faire du unboxing, et en fait, c'est pas notre dada. Il y en a qui le font très bien. Hein, ouais, il y en a qui le font super bien. Sailor, il est tellement content de son nouveau décor. Je comprends qu'il a envie de le partager. Oui, ça fait un moment qu'il voulait c'est un ça, décor aussi joli. C'est ça, ça fait longtemps qu'on en parlait. Parce qu'on se connaît bien maintenant, on est amis, clairement. Ouais. Au fil des apéros ensemble, ça fait longtemps qu'il voulait son décor. Ça fait longtemps qu'il y pense et tout. Donc je comprends qu'il ait hyper envie de le partager. Mais nous, si vous voulez, c'est quasiment le décor du départ. Enfin, les toutes premières vidéos, on est juste là, trois, à droite. Il y a trois vidéos tout pété. C'est la bibliothèque. Et c'est tout. Parce que j'en avais marre, en fait, de vider la bibliothèque pour foutre le décor. Clairement. Je prends trop de place sur le banc. Non, je me réinstalle un peu. J'étais mal aussi. Et voilà. Mais voilà. Et il y a des éléments aussi du décor, j'ai pas dit, pardon, qui sont des éléments que vous avez fait, certains éléments des abonnés, notamment le tableau. Oui, on a un tableau qui est fait par une abonnée qui nous a été offert. Un cadre, là, dernièrement, un attrape-rêve. Oui, un attrape-rêve. Il y a un Wendigo aussi en dessin. Il y a quelques petites choses des abonnés. Quand on trouve que les éléments se prêtent au décor, parfois c'est très joli, mais ça ne se prête pas au décor. Bah, on a reçu des cadeaux qu'on aurait voulu mettre dans le décor, mais... Mais qui colle pas. Ça colle pas. Par exemple, on a reçu une très sympathique boule à neige composée quasiment uniquement de têtes de mort. C'est un de mes anciens élèves. Exactement. C'est Marco. Voilà, Marco. Elle est super. Elle est super, sauf que, en effet, bah, tu gères le décor en plus pour le coup. Ça, c'est totalement toi. Et en effet, tu trouvais que ça se prêtait pas forcément au décor. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre que blanc à ta santé, Stéphanie Leclerc. Oui, ça se prêtait pas forcément au décor, et en fait tout ça, ça va de l'autre côté. On a un mur, un peu comme Amy et Cécile. C'est pas Doc Seven qui avait fait ça, le mur des abonnés ou les Doc Seven, il a un mur des abonnés. Voilà. Et en fait, on a fait ça tout au début de la chaîne. Là, je vous disais, il y avait vos petits dessins, les photos qu'on prend ensemble en convention. Et bah, il y a aussi des étagères avec les objets, les petits cadeaux qu'on peut pas mettre dans le décor parce que ça se prête pas à l'ambiance, mais qu'on adore quand même en fait. Et je vous dis, c'est ce qui nous donne de la force parce que c'est ce qu'on a en face de nous quand on tourne. Du coup, je vous jure, il y a des moments où on est en train de s'arracher les cheveux sur un mot, un truc, un machin, parce que ça ne peut pas passer, parce qu'on a une patate chaude dans la bouche, ou je ne sais pas. Et du coup, on regarde ça et ça nous donne un petit peu de courage. C'est vrai. Bonne nuit, Tiffany, qui est réveillée depuis 5h30. Va dormir, petit cœur. Et oui, la vidéo sera de nouveau accessible dans la playlist des lives. Voilà. Oui, vous inquiétez pas. Une vidéo sur les différentes légions des enfers et leurs seigneurs. Alors, on a déjà commencé en partie à s'occuper des démons... Enfin, de la hiérarchie démoniaque, plus exactement, ou plutôt des hiérarchies démoniaques, parce que personne n'est d'accord. Donc voilà, il n'y aura pas une vidéo sur les différentes légions des enfers, ça serait trop compliqué et pas assez personnellement intéressant. Très sincèrement, ce serait chier, ce serait de l'énumération. Voilà, donc on va continuer à parler, en effet, des démons principaux et des légions qui contrôlent, mais ça s'arrête là. Mais ça sera en plusieurs vidéos. Oui, ça se doute. Yoshimitsu Sandro qui dit « Vous êtes païen, excusez-moi, je viens de débarquer et j'ai vu le Valmout. » Alors, on répond pas à cette question. Ceux qui nous connaissent savent, on ne donnera jamais en fait si on est croyant ou non, et si on est croyant, de quoi ou en quoi. Tout simplement parce qu'on veut pas que ça vous influence, parce que on sait qu'on a des gens dans les abonnés qui sont des gens, on le voit, on reçoit certains messages, des gens qui sont influençables, des gens qui sont parfois fragiles aussi. Et le libre-arbitre, c'est quelque chose d'excessivement précieux. Et on ne veut absolument pas toucher à votre libre-arbitre. Zozo a peut-être un peu fait exception, parce que... Mais là, on avait des bonnes bases pour dire que c'était quand même du flan. Mais vous voyez, sur la plupart des choses, on vous laisse le choix d'y croire ou non, et on y tient beaucoup. Et pour pas que vous puissiez vous dire, alors attends, il croit en ça, donc ça, il y croit pas, machin. On ne veut absolument pas influencer, c'est excessivement précieux pour nous, c'est une directive qu'on s'est donnée. Ouais. C'est pour ça notamment qu'on fait aussi pas les témoignages des abonnés. Oui, exactement. On sait que Dainis le fait, Sailar l'a fait, si je dis pas de bêtises. JD, le grand JD le fait. Le grand JD le fait régulièrement. Ouais, il le fait régulièrement. Ah ouais, il y a beaucoup de monde qui fait les témoignages d'abonnés, donc c'est sûr que peut-être que vous nous appréciez plus que d'autres, et on est désolé si vous aimeriez qu'il y ait les témoignages des abonnés, mais comme on aime faire des vidéos extrêmement sourcées, faire des vidéos sur les témoignages d'abonnés, ce serait prendre parti, en tout cas de notre point de vue, d'y croire un minimum. Et vu qu'on ne sait pas si c'est une histoire inventée ou un vrai témoignage, et que ça va être impossible à prouver si ce n'est d'après la personne qui nous a envoyé le témoignage, on préfère ne pas prendre ce parti. Voilà, donc du coup on dit rien, voilà. on préfère se taire et vous laisser toutes les ouvertures possibles. Par exemple, on a un abonné quelqu'un qui est venu sur la chaîne de la vidéo de la Ramsa. Oui. Dernièrement, et qui a dit, je cite, merci de dire qu'Allah est le seul qui puisse nous protéger et que ce n'est pas un symbole musulman. On lui a dit, on est très content que la vidéo t'ait plu,
Ce symbole n'est pas uniquement un symbole utilisé par des gens de confession musulmane, mais ne nous fait pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous n'avons absolument jamais dit qu'Allah était le seul qui puisse nous protéger. Ce qu'on dit, c'est que, d'un certain point de vue, pour certains croyants, Allah ne peut pas être représenté par la main de Ramsa, parce que ça va au contraire de leur croyance. Mais on ne dit pas qu'il y a un seul Dieu qui protège tout le monde. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, et on peut tous vivre d'ailleurs avec nos croyances différentes tout en s'appréciant. Oui, il y a des périodes de l'histoire, notamment à Constantinople, pour ceux que ça intéresse, où plusieurs grandes religions, par leur taille en tout cas, au moins, comme ça je ne donne pas d'avis toujours, ont vécu en harmonie totale, sans qu'il y ait le moindre problème, comme quoi c'est possible. Et on est persuadés tous les deux que l'acceptation de l'autre croyance, l'autre religion, passe notamment par la connaissance, en fait. Voilà. Et donc, c'est un peu aussi ce qu'on veut avec cette chaîne, c'est montrer que, déjà, dans beaucoup de croyances, il y a des liens, quand même, il y a beaucoup de connexions qui peuvent se faire, et c'est beau. Facilement. C'est beau, les points et communs. Après, voilà, après, on peut très bien vivre en connaissant, justement, le point de vue de ton voisin, d'une amie, machin, et c'est plus simple de discuter et de comparer les croyances si on a la base de l'autre, aussi. Tout à fait, et puis ça évite aussi les impairs maladroits, voilà. Je trouve que c'est précieux, pas forcément de prendre des pincettes. Dans nos amis, on a plein de gens avec des croyances, des fois même différentes. Et vous savez quoi, ce qui est magnifique en soirée, c'est qu'il n'y a jamais d'embrouille, jamais, parce que tout le monde se respecte, tout le monde sait, et ça se passe si bien, et on aimerait que ce soit partout pareil, en fait. Mais ça passe par la connaissance et l'acceptation de soi et de l'autre. Tiens, on passe un petit peu sur le livre. Dans votre livre, les thèmes du suicide, du satanisme ou de la franc-maçonnerie sont-ils abordés ? Oui, oui, oui. Ah ouais ? Bah ouais, en fait, si tu réfléchis bien. Le premier, oui. Le premier, oui. Moi, c'est plus le deuxième. Bah si. Ah bah oui, je suis con. Oui, non, mais si, carrément, oui. Si, tout ça. Vous allez voir, on aborde beaucoup de choses en trois tomes. Tu l'abordes, c'est pas moi, j'ai rien abordé. On va avoir beaucoup de choses ensemble en trois tomes. Ça va faire dans votre tête. Vous allez sortir, vous êtes comme ça. Il y a Flo qui croit en la sainte Tapounex. Voilà. C'est une private joke. C'est une private joke. On vous la racontera quand il sera là, tiens. Ça vous fera bien marrer. Ah bah, quelqu'un qui dit l'harmonie, le bonheur et l'équilibre. Et vous savez quoi, c'est tout le centre du peson, mes petits chats. Ouais. Tu vas te retrouver dans le bouquin. Tu vas te retrouver dans le bouquin, normalement. Comment vont la batte et le pavé spécial, là? Ah, vous me tuez. Bah, c'est Adrien Roulette. Ah bah, c'est toujours le même. Ils vont bien, ils sont ensemble, ils apprennent à se connaître. Ils sont, en plus, vraiment physiquement dans le Nautilus, ils sont très bien. On espère qu'ils feront des bébés battes pavés. Je sais pas comment on va appeler ça, des pavés battes. Non, ça va bien. Non, c'est une petite joke en fait qu'on avait eue parce que au départ, la batte, elle vient d'un de tes costumes d'Halloween. Oui, absolument. Ça vient d'un costume American Nightmare. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, le pavé, il était tellement énorme quand on l'a imprimé, ce truc. J'ai dit, on peut taper sur la tête des gens et puis ça t'a fait marrer. Le pavé, c'est surtout parce que, en effet, le livre, on voulait pas forcément l'acheter parce que. Colin de Plancy, il touche plus de droit depuis longtemps. Non, c'est fait un bail. Son livre est dans le domaine public, donc on l'a téléchargé directement en PDF, gratuitement. Quoi. Sur papier recyclé. Ouais. Et comme ça, c'est moins abîmé. Et puis en fait, je vous assure que sur la vidéo, quand je galère avec le bouquin, et que vous me voyez, mais les gars, je galère vraiment, hein, il est vraiment lourd ce truc. Les conneries que je balance pendant en disant ça serait bien pour taper sur la tête des abonnés, c'était vraie vanne. Elle cherchait vraiment la page. Ah, je suis vraiment en train de. Et en fait, elle a sorti ça. Bah forcément, au montage, je l'ai gardé. Évidemment, c'était du pain béni, comme on dit. Ouais, dans ton livre, est-ce que Perceval paume le Saint Graal sans savoir? Je n'ai pas osé m'attaquer aux légendes arthuriennes. On pourrait, d'ailleurs, c'est prévu, mais pas pour ces trois tomes-là. Ouais. Si ça marche et si l'éditeur est chaud pour la suite. Pour le milieu, ou pour je peux pas vous dire, c'est faisable, mais Astier a tellement bien fait, et a tellement. Vous savez qu'il a fait des vraies recherches hein, pour Kaamelott, on n'en parle pas assez, mais il a fait de véritables recherches sur la façon dont il allait écrire le truc. Ouais. Il y a un vrai boulot derrière. Voilà, et donc non, j'en parle pas spécifiquement dans ces trois tomes-là. Avez-vous déjà inventé des créatures fantastiques? Si oui, faites-en une vidéo. En fait, même si on... Enfin, je crois pas, moi, personnellement, en avoir inventé. Moi, si, du coup, mais... Ouais.
Mais on peut pas faire des vidéos dessus. Bah non, parce que c'est pas sourcé. C'est pas sourcé. Enfin, ça serait nous, la source. Ce serait un petit peu bizarre de faire une vidéo sur ça. À côté de ça, on a fait une vidéo sur Annabelle, dont la seule source, au final, est Ed Warren. Oui, mais parce que les gens en prennent ça comme un fait, et qu'on voulait faire en sorte de dire « Ok, mais attention ouais. !» Attention, la seule source, c'est lui. Voilà. Il y a « Qui a fait votre logo Occulture ?» Ah, bah c'est nous. C'est nous. C'est, enfin, je suis la souris sur Photoshop pour faire le logo, mais la réflexion est venue... l'idée principale est venue de toi. Ouais. Et après, on a réfléchi aux éléments autour, tous les deux ensemble. On s'est engueulés toute la nuit. Ouais, absolument. Je crois qu'on a commencé à 17h le soir, on a arrêté à 9h30 le matin, on bossait ou je sais plus quoi. Alors, on n'a pas fait que le logo, on a fait toute l'esthétique au final de la chaîne pendant cette nuit, ouais. La charte graphique qu'on voulait imposer, mais ouais, ça a été fastidieux. On s'est pris sur la gueule. Je savais pas comment on s'embrouille en fait à chaque fois, mais c'est... on dit qu'on se dispute pas, on dit qu'on discute. C'est un truc chez les cornus, ouais, mon père pourra en témoigner. Et ma maman aussi. Voilà. American Horror Story. Et oui, sur les premières saisons. Ouais, on a arrêté. On a arrêté parce qu'en fait, ça nous embrouille. Depuis le moment apocalyptique, là, on a arrêté. Même un peu avant, moi, je décrochais. Bah, déjà, le truc dans l'hôtel avec Lady Gaga, on a un peu décroché. Pourtant, j'adore Gaga. Quoi. Bah, non, mais l'esthétique était bien, mais l'histoire, ce n'était pas terrible, quoi. Ouais, je me suis un peu ennuyé. Ouais. Voilà. Mais sinon, les autres, les trois premières saisons, c'était une tuerie, quoi. Je crie pas, je t'explique. C'est exactement ça chez nous. Ouais, on crie pas, on s'engueule pas, on discute. Vous aimez la série anglaise Merlin ? Moi, j'avais vu une bonne partie, mais après, le rythme m'avait un petit peu saoulé. Moi, j'ai pas aimé, je me suis ennuyée absolument à H24, voilà. J'avoue. Je pense que si t'as pas commencé assez jeune, en fait, bah, tu t'ennuies un petit peu. Je pense, hein. Après, je peux me tromper. Voilà. Est-ce qu'on avait parlé de la signification du logo sur la chaîne ? Alors, non, parce que, justement, c'est un peu le seul mystère qu'on aime faire planer sur la chaîne. C'est un peu comme l'énigme d'Antoine Daniel, pardon. Voilà, c'est un peu le seul truc qu'on voudrait ne pas dévoiler. Mais on a dit que si un jour, une personne arrivait à trouver tous les éléments qui composent le logo sans se tromper, sans en omettre une seule, on donnerait les infos, ou sinon quand on arriverait au million d'abonnés. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on a dit. C'est ça. Kadok dit « L'œuf ou la poule ? Le dino !» Boudu. Je vous raconte pas, je vous dis. Vous me faites penser à une amie, je vous raconte pas, je vous dis. vous êtes branché théorie du complot parce que j'aimerais en savoir plus sur les secrets des groupes comme Bilberg qui dirige le monde. Merci. Alors non, on n'est pas très branché. Alors déjà, en fait, à partir du moment où tu dis que ce groupe dirige le monde, c'est que déjà toi tu prends parti. Voilà. On n'est pas très branché théorie du complot parce que. Parce qu'au final, ce qu'on aime, c'est les débunker. Parce que quand on tombe dessus lors de nos vidéos, bah, on le fait. Genre la 5G et le fameux virus qui a... Ça, on n'est pas tombé dans nos vidéos, mais ouais. Non, voilà, les théories du complot, si on tombe dessus dans une de nos vidéos, on attaquera. Mais on ne fera pas une vidéo sur les théories du complot. Ça, bah, on en parlera par exemple forcément sur la franc-maçonnerie. Parce que pour le coup, la franc-maçonnerie, moi, je suis assez calée là-dessus. Mm. Je vais le dire franchement, j'ai eu la possibilité il y a quelques années d'être invitée dans une loge pour devenir tout simplement membre. J'ai refusé. Pas parce que ouais, je veux pas rentrer là-dedans, machin. Tout simplement parce que ça ne convenait pas à mon état d'esprit et à tout ce peut-être en quoi je peux croire, peut-être mes convictions personnelles. On en parlera, parce que pareil, la franc-maçonnerie, ils en prennent plein la gueule, parfois, pour des trucs, et les gars, vont détendre. Ouais. Entre franc-maçonnerie et Illuminati, on redescend, tout va bien se passer, mais non. Ça nous intéresse dans le sens où, oui, parce qu'il faut faire du grand nettoyage sur ce qui peut être raconté en mode n'importe quoi. Ça. Moi, j'ai 30 ans. 29 Tout de suite. Combien il y a de livres de prévus alors, instant, 3. Voilà, il y a 3 sur signés. Le troisième hémisphère qui sont signés. 3 qui sont signés. Après, il y en aura peut-être d'autres en rapport avec la chaîne, c'est ce qu'on disait dans la vidéo d'annonce. On ne sait pas encore sous quelle angle attaquer ça, mais oui, il y aura peut-être d'autres livres. Il faut éviter de dire quand tu as été recruté. Oui, mais vu que j'ai refusé, il n'y a pas de problème. En fait, je ne suis tenue à aucun serment. Quelqu'un qui disait il faut éviter de dire quand tu as été recruté. Oui, mais je ne suis tenue à aucun serment vu que j'ai refusé, tout simplement. Voilà. C'est. Et vous,
Aimez-vous Medium, la série? Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette série. Et où puis-je trouver le t-shirt d'Alex? Alors, le t-shirt, il est sur nos stores, c'est-à-dire il y a l'accès directement sur YouTube ou sur Tostadora, tu as les liens en description. Et après, la série Medium, ouais, ça fait super longtemps que je n'ai pas regardé, mais à l'époque, ouais, moi, je regardais. Mmh. J'aimais bien. Mage, magicien, sorcier ou guerrier? Guerrier. Pardon. C'est rare qu'on soit d'accord, putain. Non, on est plutôt d'accord en général sur les bouquins. Vous avez regardé The Haunting of Hill House? Ouais, c'est notre série. On n'a pas regardé. Notre série chouchou. Je le dis? Ah, bah oui, tu veux, bien sûr. Vous savez, j'ai un problème avec Cyrano de Bergerac. Bon, bah j'ai un autre problème avec Haunting of Hill House. Je la regarde tous les mois en entier. Regarde Haunting of Hill House ce soir. Oui. Tous les soirs, on attend. C'est quoi la suite du coup? The Haunting of Bay Manor. Haunting of Bay Manor. La saison suivante, c'est ça. Enfin, c'est pas une suite, mais un clair obscur. Un clair obscur, il faut faire un clair. Ah là 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 là, on fait l'acide. Des conseils pour quelqu'un qui débute en bouquin. Fais-toi confiance, crois en ce que tu fais et fais jamais ce que disent les conseillers d'orientation, comme l'a très bien dit Orelsan. Fais l'inverse de ce qu'ils diront. Ouais, n'écoute pas, n'écoute jamais. Je suis désolée, hein, dans mon métier, j'ai eu affaire, les conseillers d'orientation, dans mes anciens boulots. Ne les écoutez pas. Si vous croyez fortement en quelque chose, c'est bien de faire quelque chose à côté pour sécuriser. Nous, par exemple, on tient la chaîne, mais on bosse à côté, parce que pour l'instant, on ne peut pas en vivre. Mais par contre, ne lâchez rien. Si vous voulez réaliser un truc, il faut vous donner à fond. Et foncez, faites-vous confiance, les petits cœurs. Ouais, on va pas tarder à vous laisser, parce que quand même, ça fait 2h40 qu'on est au live. J'ai faim. Ouais, bah moi aussi. Merci, le triomphe. De Valnout, on en parlait tout à l'heure, mais c'est plus pour le symbole que ça représente que pour les croyances. Ah, c'est surtout l'idée de la belle Valkyrie qui viendra te chercher. C'est plus pour le symbole que ça représente. Pourquoi tu veux te faire tatouer ça, chérie? Oh, parce que comme ça, quand je vais mourir, il y a une jolie Valkyrie avec des gros lolos qui va venir me chercher, je serai très très heureux. Je suis désolée, c'est à peu près ce que tu m'as expliqué. Oui, j'ai trouvé ça génial, j'ai fait, vas-y, tu prends rendez-vous quand? Oui, c'est nos 29 et 30 ans, c'est nos vrais âges, oui, Blunker Blitz. Ouais, ouais, c'est pas une connerie. Je raconte la connerie de l'année dernière, parce que bon, vous me voyez en vidéo, mais mon âge a été un grand débat l'année dernière. Ouais, ouais, si tu veux. J'y vais? Je t'en prie. L'année dernière, quand je me suis en lycée, du coup, j'ai un look assez simple, c'est-à-dire que moi, c'est jean Converse, t-shirt, et puis c'est marre, quoi. Je sors pas du lot, je fais pas de vagues. Et il y avait des élèves qui croyaient, genre, j'avais 24 ans, et ça me faisait trop bizarre, quoi. Et c'était malaisant, parfois. Voilà, je vais pas citer pourquoi ou comment, vous avez bien compris, il y a des fois que c'était un petit peu plus ça. Voilà. Voilà, alors on allez, on prend encore 5 questions. 5 questions ? 5 questions. Ok, il faut les choisir avec... Ça va être précision. Avec précision. J'étais pas prof, j'étais assistante d'éducation, mais je donnais des cours de soutien dans un petit peu toutes les matières. Sauf les maths, parce que je suis dyscalculique. Pardon, papa. Voilà, une. Bah, ça part trop, vite, juste en fin de une question, mais... Voilà, je viens... Bon, c'est pas une question, mais merci d'être là. Merci. Merci à toi. Alors, une vidéo sur le tueur en série fan d'occultisme, featuring avec Stéphane Bourgoin. Potentiellement, c'est pas prévu à l'heure actuelle. Pour l'instant, on s'attaque plutôt aux mythes et légendes. Mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas, un jour, c'est possible. Je ne sais pas, c'est possible. Combien de pages par livre? On peut la prendre, celle-là? Bien sûr. Moi, en impression, ça faisait un petit peu plus de 400 pages par livre à peu près, et la jeune femme qui s'occupe, la madame qui s'occupe de mon bouquin chez Nisha, me disait peut-être un gros pavé de 800 avec leur mise en page, donc je sais pas du tout. C'est assez difficile de se projeter. Voilà. Si la Manticore est la créature préférée d'Alexandre, quelle est la créature préférée de Natacha? Ouais. Ça fera l'objet d'une vidéo. Alors oui, en effet, moi, c'est le Manticore. Et pour toi... Bah, t'as déjà répondu quelque part à ça. T'avais dit que c'était plutôt... justement, le dieu cornu. Oui, j'aime beaucoup. Oui, alors, finesse, ça fait bizarre. Là, faut... Oui, je suis passionnée par le concept de Cernunnos, parce que une divinité qu'on retrouve avec des points communs aussi forts et puis qui soit aussi ancienne, sur laquelle on ne sait pas grand-chose, dont a peut-être découlé beaucoup de choses derrière et qui a peut-être été excessivement diabolisé, me fascine. Voilà, peut-être plutôt Cernunnos. Après, si vous voulez quelque chose de plus clair, je reste amoureuse de littérature, donc le vampire reste une bestiole hyper intéressante de par sa conception.
des vidéos en extérieur prévues. Alors, bah, depuis, comme vous le savez, depuis le premier rendez-vous en terrain occulte, on n'a pas réussi à trouver un autre endroit qui voulait bien nous accueillir. Non, mais Bourgoin, c'est pas prévu, juste comme ça. Oui, je vous vois paniquer, vous inquiétez pas. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas prévu. C'est pour ça qu'on a répondu que à la question sur le tueur en série. Donc oui, les vidéos en extérieur pour l'instant c'est stand-by parce que en fait on cherche vraiment des lieux qui sont d'accord pour nous accueillir. Voilà. Alors évidemment on pourrait faire la forêt de Brocéliande et d'ailleurs je vous conseille la vidéo de Sylar qui est super. Tu l'as vu toi du coup. Ouais. Ouais. J'ai pas eu le temps mais c'est vrai qu'il faut que je la regarde. Voilà, c'est encore très bien filmé, c'est top. Bon, c'est mais Sylar, on pourrait aller faire de toute façon même si on y allait nous, ça sera un autre concept de ce qu'il a fait donc tout va bien. Mais pour l'instant on cherche vraiment des lieux où on pourrait rester toute la nuit tout ça. On demande des autorisations, donc peut-être qu'on va finir par se pencher sur des endroits qui ne demandent pas d'autorisation, ça serait plus simple, en effet. Ouais, mais on veut faire les choses dans les règles. Mais en fait, on aimerait vraiment voilà, faire les choses dans les règles, ne pas s'imposer et aller dans des lieux qui nous accueilleraient gentiment. Bah, par exemple, bah là, ça n'a rien à voir, mais là on a été invité pour aller faire un tour dans un musée. Bon, c'est juste l'exposition, hein, mais c'est très sympa. C'est sûr qu'on adorerait que des gens qui tiennent, ou en tout cas qui sont dans la gestion de bâtisses anciennes avec des vraies histoires qui mélangent à la fois histoire et du légende. Pays ou du lieu de la région et à la fois les légendes, en effet, nous invitent directement, ça serait encore le top, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors évidemment, finalement on reste une petite chaîne malgré tout, hein, même si on a quand même, plus de 200 000 à nous suivre, ce qui est énorme, mais c'est vrai que les gens ne nous connaissent pas, ne savent pas forcément notre sérieux, donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir les autorisations de tourner. Et oui, WB, pour la série Zone Blanche, j'ai juste adoré. J'espère la saison 3, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils fichent à France 2 ? Pour une fois qu'une série française, je suis désolée, il n'y en a pas eu des masses qui te tiennent en haleine comme ça, et on veut la suite. Marie-Madeleine, je peux la prendre ? Je t'en prie. Quel est l'auteur qui a donné la première fois l'envie de lire, pas de lire, mais d'écrire ? Et à quel âge ? Je pense que c'est Tolkien, quand j'avais 10 ans. Voilà. Disons ans. Tout comme ça. Et allez, dernière question. Et sinon, côté esprit et occulte, on a encore des sujets où on a fait le tour. Et ben, on a plein de sujets. On n'a pas fini. Enfin, vous n'avez pas fini de nous voir sur YouTube, je peux vous le dire. Désolé, voilà. Les seules fois où vous ne nous verrez pas, c'est quand on ne pourra plus monter de vidéos. Et sinon, on viendra quand même. On viendra quand même vous hanter sur ce réseau qui est si polémique, qui est YouTube. Ah, je pète des plombs, j'ai faim. T'as faim, toi. Voilà. Si je le nourris pas, il va bouffer tout le monde. Bon, ben bah voilà. Mais voilà, si, ils n'ont pas abandonné l'idée de la saison 3 sur Zone Blanche. Hein, sur le site, il est toujours noté en production. Donc, on lâche rien, ils n'ont pas annulé encore. On veut cette série, il faut les faire chier. Je veux la suite de Zone Blanche, boudue. Voilà, donc on va clôturer là. Je sais qu'il y a encore plein de questions. Encore une fois, merci d'avoir passé la soirée avec nous parce que concrètement, c'est ça. On vous rappelle que le livre de Marie-Madeleine est disponible dans deux mois. Et ouais, dans deux mois. De faire de la pub. Du coup, vous avez vu, on a mis. Oui, inclus une promotion, machin. Une promotion commerciale. On voulait être hyper honnête et hyper sincère. Je sais qu'il y en a, j'ai vu avant le live, il y en a qui disaient oui, mais c'est une auto-promo, ça compte pas vraiment. Oui, mais c'est. En fait, ça compte. Déjà qu'on déroge un peu aux règles en ayant bu ce qu'on a bu ce soir. Voilà, au moins avec ça, on est un peu tranquille par rapport à YouTube aussi. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, le livre de Marie-Madeleine sort dans deux mois. Vous pouvez déjà le commander. Vous avez tous les liens en description. Tous les liens. Les libraires, Amazon, le site direct de Nisha, si vous voulez. Moi, je voulais vous dire que merci pour ceux qui l'ont déjà précommandé. Merci pour ceux qui vont le lire. C'est juste surréaliste, en fait. Je pensais jamais que ça arriverait, un truc pareil. J'espère que ça vous... À défaut de vous plaire, j'espère que ça vous marquera. Voilà. C'est pas un livre qui est fait pour que vous sortiez indemne. C'est un livre qui est fait pour que vous sortiez quelque peu écorché, mais peut-être plus vivant, quelque part. Donc, bon voyage quand vous le lirez. On a encore le temps d'en reparler d'ici là. On prévoit un live entre les deux tomes. Oui, on parle du premier. Merci mille fois. Je vous embrasse très très fort et mille merci. Merci beaucoup et puis on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture. Bonne soirée tout le monde. On l'a fait en synchro, c'était classe. Bonne soirée, ciao ciao Caroline, ciao Gaëlle, ciao Liv, Olivier, Marie, Gaëlle, Angé. Pringant. Swan Queen, Cercle Musique, Adrien, Roulette. Bisous Adrien. Gros bisous.
évidemment Flo et à tes parents, gros bisous. Papa, maman, bisous, mon flou, on se voit vite. Et puis à tout le monde, à très vite, on vous fait une vidéo très très bientôt si l'ordi nous permet. Gros bisous, bonne soirée. Ciao.